en tant que secrétaire national du directoire. Je crois que vous n'avez rien compris. Le directoire a décidé. Je le dirais, utiliser les méthodes du RDPC. C'est-à-dire que les propositions d'investiture. Et c'est ça là où les gens se trompent. Le directoire était chargé de collecter les demandes d'investiture, de les analyser et de les soumettre au comité de censure qui était composé de 4 personnes autour du président. C'est ce comité qui devait voir si c'est bon. Mais à peine ils ont dit « nous pensons que c'est Tongo », on appelle Tongo déjà et Tongo se met en route en train de dire « je fais campagne ». C'est-à-dire on n'a pas, ce n'est même pas approuvé. Donc le président a estimé quand les gars voulaient faire au MRC ce qu'on fait ailleurs, le trafic. Et il y a beaucoup qui ont adhéré au MRC à la dernière seconde. Ce qui veut dire que vous n'aviez pas suffisamment de militants ou de candidats aux investitures. On avait des meilleurs candidats, mais qui ont été étouffés. C'est-à-dire les gens ont voulu faire comme ça se fait ailleurs, où tu viens parce que je te connais, je dis, si ce n'est pas lui à Douala, ça ne marche pas. Donc nous avons... Est-ce que c'est pour ça que... Et ce n'est pas pour ça que nous avons dit qu'on ne part pas. Voilà, vote. Voilà. Nous avons estimé, compte tenu de ce que nous avons vécu à la présidentielle, que rien n'ayant changé, tant sur l'existence de l'ELECAM, tant sur la méthode organisationnelle, rien ne nous garantissait que les endroits où nous aurions gagné nous seraient restitués. Et il serait dramatique pour nous de nous retrouver à l'Assemblée comme complément d'objet indirect et être considéré maintenant comme le parti qui a accepté d'aller manger sa part. Où nous avons la possibilité, le nombre de changer quelque chose. Si vous allez à la... Nous pensons que les gens qui se disent de l'opposition sont sincères et que même si vous n'avez que 10 dans une assemblée où celui qui organise s'arrange à avoir 160 députés sur 180, déjà, il va à la présidentielle. Occasionnellement, vous dire que la démocratie existe. Tout ce que vous allez amener, il dit « ok, c'est bon, mettons au vote ». Mais comme il y a la discipline de son parti, donc vous serez là juste pour les accompagner. Ça ne sert à rien d'aller à l'Assemblée parce qu'on veut manger. Et vous voyez le reproche qu'on fait à certains députés qui sont à l'Assemblée. Auriez pu aller aux élections municipales. On change la vie des Camerounais dans les municipalités. Est-ce que les élections municipales, on les gagne? C'est le même ELECAM qui organise les élections municipales. Je vous dis que tant que vous dites que la méthode organisationnelle ne me convient pas, et vous allez quand même. Vous battez pour qu'on change. Mais on nous aurait pris pour des fous. On aurait dit, vous venez de dire qu'on vous a volé le vote présidentiel. Vous venez de dire que c'est le Conseil constitutionnel qui vous a débouté parce que toutes vos réclamations ont été rejetées. Maintenant, ni le Conseil constitutionnel, ni ELECAM n'a évolué. Vous attendez quoi dans les prochaines élections? C'est pour ça que je vous dis, notre démarche actuelle, c'est de pouvoir réussir avec les quelques Camerounais de bonne volonté à faire que le code électoral, au moins, soit consensuel. – Ok, surtout, toujours sur les questions qui fâchent, je me souviens bien, lorsque vous sortez de prison, M. Albin Zongan, vous dites, le plus que vous aurez pu tirer de cet univers carcéral, c'est le rapprochement avec les sécessionnistes, les ambazoniens, s'il faut le dire ainsi. Lorsque vous utilisez le terme « vous », parce que je dois dire que vous êtes en prison à ce moment-là, votre parti n'est pas encore dissous, vous êtes l'allié du MRC. Lorsque vous dites « ce rapprochement nous a fait, notre présence dans le milieu carcéral nous a permis de nous rapprocher des sécessionnistes », le « nous » ou bien le « vous » la représentez qui? Vous, Albin Zongan, ou bien tous ceux qui étaient en prison à ce moment-là? Qu'est-ce que ça a à voir par rapport à parler avec des gens que vous appelez sécessionnistes? Qu'est-ce que ça a à voir? Que ce soit nous ou que ce soit moi, ça permet de savoir. Nous avons partagé la même cour pendant 9 mois avec des gens
dont nous les avons approchés et nous croyons que nous étions à même de donner quelques pistes pour sortir de cette situation. Il n'y a pas une honte à dormir dans le lit avec quelqu'un dont on vous a enfermé ensemble dans une chambre. Mais c'est ce que vous en tirez. Qu'est-ce que on aurait pu nous dire? On se serait attendu à ce que le pouvoir nous dise, bon, venez alors, vous qui avez passé tout ce temps avec eux, vous pensez qu'on peut faire comment? Quelles sont les véritables intentions? Non. Les gens ont dit, nous savons ce qu'il y a à faire. On a déclaré la guerre. Dès lors qu'un président de la République dit que je déclare la guerre à une partie de mon peuple, un père ne peut pas déclarer la guerre à un de ses fils, quelle que soit sa tétutesse. Vous avez vu l'enfant prodigue dans la Bible. Le père dit toujours, ce garçon m'embête, mais vraiment, je ne sais pas, il prend même un voisin pour dire, s'il te plaît, prends cet enfant, parle-lui un peu, parce que c'est pas parce que l'enfant lui a dit, je veux que tu meurs, que je prenne la place, que tu dis que dans ce cas, je te déclare la guerre. Je prends mon fusil contre toi. Dès que mais il y a quand même une différence entre déclarer et prendre les armes. Voilà, je crois qu'il est aussi important. Oui, oui, poursuivez. Sur cette même question, vous êtes le conseiller du président Kamto. Je voudrais que sur cette question-là, votre voix porte, que vous nous dites clairement, lorsque vous voyez ce qui se passe dans ces régions-là, du Nozo, qu'est-ce que vous dites lorsqu'un matin vous voyez des soldats décapités, mutilés? Qu'est-ce que vous dites? Ça me fait mal. J'ai dit on n'aurait jamais dû arriver là. Une guerre, on sait comment on commence, mais on ne sait jamais comment ça finit. Est-ce que le leader politique devrait juste s'émouvoir? Je dois faire comment? Je dois aller dire à Biya, dégage-toi, je m'assois et je fais un dialogue entre fils pour trouver une solution à ce problème. Je ne dois pas m'émouvoir. Demandez aux ambassadeurs de déposer les armes. Déposer les armes, par exemple. C'est les ambassadeurs. Mais écoutez, monsieur. Vous êtes dans une guerre asymétrique. C'est maintenant qu'on s'aperçoit même qu'ils ont des armes. C'est des gens qui ont commencé avec des couteaux. Vous avez dit, on va les écraser. Ils sont passés des couteaux aux haches. Vous avez dit, on va les écraser. Maintenant, ils ont même appris à fabriquer des bombes. Je vous ai dit, il ne faut jamais laisser une guerre durer. Parce que l'entreprise, le commerce de la guerre est très fructueuse. Quand elle dure, ceux qui en profitent ne peuvent pas accepter qu'elle cesse. Il faut avoir le courage à un moment de dire arrêtons et voyons ce qu'on peut faire. On n'en est plus là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? On en est où? On n'en est plus là aujourd'hui. On est où? On est dans une situation où les membres des forces armées sont décapités au quotidien. Non, vous racontez, il ne faut pas dramatiser. Quelle est la guerre où on ne meurt pas? Est-ce que moi, Camerounais, je peux accepter qu'un militaire meure? Ce n'est pas parce qu'il porte une tenue sur lui pour défendre la République qu'il n'est plus un Camerounais. Est-ce que je peux accepter qu'un gars du Nord-Ouest meure tout simplement parce qu'il a dit qu'il veut une sécession? Vous savez, il y a les enchères dans les négociations. Quand vous êtes dans une négociation, les gens entrent en disant « nous ne voulons plus être avec vous ». Mais c'est à vous de négocier et de prouver que dire qu'il ne veut plus être avec vous n'est pas possible. Parce qu'on demande toujours trop en espérant avoir un peu. Donc ne vous cramponnez pas toujours sur « ils sont sécessionnistes, ils sont sécessionnistes ». Je crois que c'est la barre qu'ils mettent haut en espérant trouver mieux. Alors, tant que vous n'êtes pas assis avec eux, vous ne pouvez pas savoir si on peut reculer ou si on peut avancer. Donc je dis, l'Afghanistan nous parle. L'Afghanistan nous parle. Et c'est d'ailleurs à cause de l'Afghanistan que vous avez vu que ceux qui nous avaient initialement appelé les talibans ont changé de langage parce qu'ils ont vu qu'un taliban peut renverser une grande puissance. Maintenant, le MRC n'est plus le parti des talibans parce qu'on pense que si ce qui s'est passé en Afghanistan se passe ici, ça pourra... Non, mon ami, nous continuons à dire c'est effectivement en ce moment où on mesure les pertes de chaque côté, que les gens de la paix peuvent dire non, arrêtons ça. Et vous avez proposé par le passé le dialogue. On a organisé
le dialogue, vous avez estimé que c'était un dialogue factice. Vous n'y êtes pas allé. Aujourd'hui, vous proposez vous quoi n'y êtes pas allé. Vous proposez à nouveau le dialogue. Là, vous êtes dans votre, vous êtes vraiment dans votre rôle de militant du RDPC. Écoutez, le monologue n'a jamais été un dialogue. Quand vous voulez dialoguer, il faut avoir le courage d'identifier votre interlocuteur. Vous ne pouvez pas aller vous réunir, vous mettez les gens en prison et c'est vous-même qui dites qu'ils sont les chefs des sécessionnistes. Vous allez les arrêter, vous les mettez en prison. Et vous allez faire le dialogue, vous ne les appelez même pas pour les confondre, pour qu'ils viennent refuser le dialogue. Vous proposez donc quoi ? Un nouveau dialogue ? Non, monsieur, le dialogue, seul le dialogue nous sortira de cette histoire si nous voulons rester des frères. Et nous sommes d'accord que la terre Cameroun ne peut pas être divisé. Nous sommes trop petits pour être divisés. Nous allons tout faire seulement pour que chacun se sente considéré dans son pays. Quoi le dialogue que vous appelez de tous vos voeux serait différent de ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent ? On n'a pas fait de dialogue, M. Ben, quelles sont la différence avec la différence, c'est qu'il faut identifier les responsables et les appeler. Vous ne pouvez pas faire le dialogue sur le dos de quelqu'un. Vous connaissez bien. Le gars qu'on a arrêté à Bamenda, qui était un journaliste comme vous, qui était juste un comédien. Bibisi Mancho. Il est en prison. On aurait pu le laisser. Celui-là, il menaçait de quoi ? Donc, sa libération à. Non. Lui seul ne peut non, pas. Non, ce n'est pas lui seul. Je prends des exemples. Vous avez les Ayouk Tabe, qu'on est allé arrêter au Nigeria. On a commencé à négocier avec eux clandestinement, nuitamment. Après, quand ça s'est ébruité, quand on a dit qu'on venait les prendre en prison pour discuter, on a dit on ne discute plus. Non. Un gouvernement dans un pays est un père, que vous ayez usurpé ou que vous ayez eu légalement. Dès lors que vous avez l'effectivité du pouvoir, vous êtes un père. Et un père parmi ses enfants peut avoir des détenus, peut avoir même des criminels. C'est à lui de tout faire pour dire... Il faut te redresser. Ah ben, donc, quand vous n'avez pas suivi avant le grand dialogue national ces appels de Yaoundé qui demandaient aux leaders de la crise anglophone de sortir de la bourse. Vous avez suivi ces appels ou vous estimez qu'il n'était pas sincère ? Mon ami, vraiment, je crois que... Vous n'avez pas suivi ces appels ? Je crois que votre sardine monte très vite dans votre tête-là parce que vous ne pouvez pas appeler les gens en brousse. Qui est en brousse ? Là où toi et moi, on est là. Je suis fils d'un maquisard. D'un IPCiste. On ne savait que quelqu'un était en brousse que si on le tue en brousse. Qui est en brousse ? Peut-être que même les gens que vous voyez au marché à Bamenda, là, le soir, ils sont en brousse. Vous connaissez les leaders, au moins ceux qui se sont autoproclamés leaders. Appelez-les. Confondez-les. Dites-leur que ben, si vous avez la main mise sur vos gens, discutons, trouvons une solution et faites que ça cesse. Ben, vous me dites, on tue les gens. En réalité, comme a dit le prêtre lors d'un enterrement, c'est parce qu'on tue les enfants des pauvres. Les gens se complaisent dans cette guerre. Les gens sont contents. Il y a dans cette guerre peut-être des gens qui veulent vraiment la sécession, qui rêvent d'avoir une sécession. Mais il y a des groupes de bandits de toutes sortes. Même ceux qui sont... Dans le monde politique, oui, parce qu'on a vu des réunions parmi lesquelles, avec des personnes qui cotisaient de l'argent pour acheter des armes. Bon, peut-être vous étiez dans cette réunion-là, mais disons je n'étais pas en Allemagne cette fois-là, malheureusement. Bon, quand vous n'êtes pas en Allemagne, vous savez que chaque fois qu'on cotise de l'argent, c'est pour acheter les armes. Les vraies personnes qui achètent des armes, vous ne savez même pas comment ils les achètent. Il y en a qui sont interpellés aux États-Unis à l'heure actuelle. Ben, ceux-là, ils n'étaient pas en Allemagne. Donc, laissez-moi ça. Vous savez qui était en Allemagne ? Bien sûr. Ils ne se sont pas cachés. Ils ont publié une liste. Il y avait Madame Combe, il y avait même un de nos vice-présidents qui allait pour son compte personnel. Il s'est allé... retrouvé à la réunion. Non, il est allé là-bas pour son compte personnel en tant que avocat. Il a accepté d'y aller pour voir. Il a vu, il est venu. Et vous savez que dans un pays en guerre, il y en a. On dit dans un dialecte camerounais que beaucoup de gens cherchent du bois que quand il y a la tornade, parce que ça fait tomber les feuilles mortes. Il y en a qui jurent là à Yaoundé ou à Onozo qu'il ne faut pas que cette guerre finisse.
parce que c'est devenu pour eux un fonds de commerce, c'est devenu pour eux une raison de vivre. Mais nous devons être nombreux à dire fermement que le Cameroun est indivisible. Mais les enfants peuvent avoir une mésentente et on cherche. On peut chercher et ne pas trouver. Ce n'est pas sûr qu'on va absolument trouver. On peut chercher et ne pas trouver. Mais qu'on cherche au moins comment faire pour les réconcilier. Surtout que les causes sont connues. Vous le dites parce que vous vous mettez dans votre peau de francophone. Si vous étiez à la place de ces gens qui se sont sentis colonisés, au point où ils vous demandent de traduire même un texte en leur langue pour qu'ils comprennent, vous refusez. Et vous dites que vous pouvez même acheter tout ça, raser. Mais quand on dit ça de vous, vous vous sentez comment? Même si ta propre famille, là, je viens dire que, monsieur Tongo, je vais arrêter ta femme, tes enfants, je vais les tuer. Mais mon Dieu, c'est une provocation. À raison, Gabriel. Donc, il ne faut pas faire comme si le problème anglophone, dans sa base, n'existe pas. Il ne faut pas faire comme si ces gens n'ont pas été d'une manière ou d'une autre un peu colonisés par les francophones. Il ne faut pas faire comme si nous n'avons pas tordu le cou au texte. Parce que le texte de fondement de l'unité nationale à Fumban disait qu'on ne peut pas modifier. Mais on a quand même modifié. Pourquoi? Parce qu'on a organisé d'une manière, avec le banditisme d'État reconnu au Cameroun, on a organisé un référendum. Vous organisez un référendum où vous représentez déjà 80% contre les gens qui sont 20%. Vous avez déjà gagné. Alors qu'on a dit, on a souligné en noir et blanc que ce n'est pas modifiable, qu'on restera l'État fédéré. Monique Naoussi, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Vous êtes bien installé pour visiter les préférences de notre invité. Côté je cours sais pas, et côté jardin, ce soir. Je ne sais pas si vous avez prévu de lui demander pourquoi il a l'injure facile au début de l'émission, c'est banditisme journalistique. Ouais. Et puis plus tard, c'est le niveau de sardine. en tout cas, on va visiter ses préférences dans un instant. Bonsoir. Bonsoir, Mafou. C'est bien ça votre titre de notabilité à la chefferie Bawang, à l'ouest du Cameroun? Oui, mon titre de notabilité vient de la chefferie Banjoun. Mm-hmm. C'est le roi Banjoun qui m'a anobli. Et mon village m'a réclamé. Et c'est pour ça que mon nom initial de notable qui était Waboso Fadjou. Pourquoi anobli à Banjoun plutôt qu'à Bawang? Waboso Fadjou. Autres chefs d'intervenir auprès du chef Banjoun. Et le chef Banjoun est arrivé à Bawang, il a dit « Moi, bonne l'âme ». C'est-à-dire que si ce n'était pas que les raisons du village de quelqu'un, c'est très important, je ne le laisserai pas. Donc voilà, je suis « Moi, bonne l'âme » parce que c'est à cause de « Nola Amou » que les Banjoun ne m'ont pas gardé à Banjoun comme notable de la cour de Banjoun. Merci beaucoup. Alors, ce 3 octobre est un jour spécial pour vous, à plus d'un titre. L'anniversaire de votre épouse, l'anniversaire de vos 46 ans de noces. Comment avez-vous passé cette journée spéciale? Je ne me suis même pas souvenu que c'était une journée spéciale, mais à force de nous voir, à force de partager tout ça. Il va passer la nuit sur le canapé. tout le temps ensemble de se supporter. On n'arrive pas à compter les jours. Et dans 4 ans, justement, vous allez célébrer, s'il plaît à Dieu, vos noces d'or. Quelles auraient été finalement les recettes pour tenir 46 ans ensemble? L'acceptation, le pardon mutuel. Mm-hmm. Aucun couple n'étant parfait, il faut tout simplement savoir se pardonner, savoir faire confiance à l'avenir et se donner les raisons de vivre, surtout quand on a des enfants. Et justement, parlons d'enfants, de cette relation amoureuse sont nés 5 enfants. Comment est-ce que votre famille vit votre engagement politique?
mes enfants ont trop peiné dans leur enfance de mon engagement politique. Déjà en 90, quand j'étais encore au RDPC et que je devais me battre contre les villes mortes et tout, ils ont été traumatisés parce que j'étais à Bafoussam. Et M. Fauchivet a appelé mon épouse pour lui dire quitter la maison avec les enfants, parce que le temps que j'envoie la police, peut-être que les gens seront déjà venus vous brûler. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mon épouse a barricadé les portes, elle a pris un de mes fusils, elle a donné à sa fille, elle aussi, elle a dit on va nous tuer comme ça. Donc, ça, ça marque les enfants. Et dernièrement, quand on m'a menotté auprès de, devant ma première fille, en me traitant de tous les noms d'oiseaux, vous savez, ça marque les enfants. Mais je me force à leur dire, écoutez, si je n'avais pas accepté de faire la politique, on ne serait pas venu m'arrêter, on ne m'aurait pas insulté. C'est à refaire, le referiez-vous ? Je le refais parce que, au stade où je me trouve, je me dis qu'il y a une certaine honte à ne pas se battre pour les autres. Et quand vous avez fait votre vie comme j'ai fait la mienne, et quand vous êtes dans un pays où les malins passent leur temps à dire, ils demandent aux enfants des autres d'aller dans la rue, alors que les leurs sont en France. Nous avons choisi d'aller nous-mêmes dans la rue et inviter les autres parents à venir avec nous pour voir que ce n'est pas leur enfant. Quand on dit à leur enfant de sortir, ce n'est pas pour nous faire gagner quelque chose, c'est peut-être pour le bonheur de ces enfants, pour qu'eux aussi aient la chance que nous avons eue d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, Albert Nzongan est un ancien séminariste de Mélan, votre camarade... Non, je n'ai jamais été au séminaire de Mélan. J'ai commencé mon noviciat chez les bénédictins à Montfébé. Vous vouliez être prêtre quand même? Et Monseigneur Ndormo a estimé que pour par ce chemin-là, il me fallait 18 ans pour devenir prêtre. On m'a amené au grand séminaire d'Otélé. Je suis sorti du grand séminaire, on m'a envoyé directeur du collège Pierre et Paul. Mais je reste prêtre, mais un prêtre civil. Votre camarade Dieudonné Wathio, quand même, il a été fait évêque. Vous êtes resté catholique pratiquant? Je suis catholique pratiquant. Et la pratique catholique, à mon sens, n'est pas aller à la messe tous les dimanches. C'est accepter de considérer son voisin comme soi-même, se prendre en pitié tous ceux qui ont besoin de vous et se venir en aide dans la mesure dans la mesure du possible à ceux qui souffrent auprès de vous. C'est ça, effectivement, la croyance et la pratique d'une vie religieuse bien remplie. Alors, moi, Nola Amou est un traditionnaliste. Vous êtes d'ailleurs membre des 9 notables, et on sait ce que c'est, le conseil des 9 notables autour du chef. Comment conciliez-vous ce statut d'homme traditionnaliste et de chrétien catholique? Ça se joint à quel niveau et ça se sépare à quel niveau? Écoutez, je suis l'un de ceux qui essayent d'expliquer que la chrétienté catholique n'est pas venue détruire la tradition africaine. Nous avons nos mœurs. Vous savez, quand on disait que on adore les crânes, qu'on sort les crânes, surtout chez les Bamileke, on avait oublié de dire que quand le prêtre fait la messe, il y a sous la nappe sur laquelle il célèbre ce qu'on appelle la pierre de l'autel. Les reliques? Et c'est une relique. C'est parfois l'os d'un saint, c'est parfois les cheveux d'un saint, c'est tout cela. Donc, même les catholiques utilisent les restes de ceux qui leur sont chers pour pouvoir intercéder auprès du Seigneur pour qu'il accorde la grâce, objet de la prière, de la célébration. Il n'y a donc pas d'opposition entre un traditionaliste et un chrétien pur? Si vous êtes un traditionaliste et vous vous battez pour le bien-être des hommes, vous faites la même chose que le prêtre qui se bat pour le bien-être des chrétiens. Okay. Donc, vous n'avez aucun problème. Vous savez, l'Église catholique a évolué. Avant, on disait qu'un polygame ne peut plus aller à la messe. Bon, jusqu'ici, on dit qu'il ne va pas communier, mais on le fait venir à la messe. Mais on a évolué en disant que les femmes d'un polygame
peuvent demeurer chrétiennes et communier. Donc, vous voyez que l'Église s'adapte. Et nous devons savoir que les sacrifices, ce n'est pas ici chez nous, à l'Est ou à l'Ouest, qu'on a inventé le sacrifice des animaux. Abraham lui-même, on lui avait montré un mouton pour sacrifier à la place de son fils. Donc le sacrifice des chèvres, des moutons qui se font à l'Ouest, c'est une autre façon de donner à manger aux gens. Parce que le mouton tué et préparé et partagé aux gens, ce n'est que quelques petits morceaux qu'on donne symboliquement au lieu que nous déclarons lieu de Dieu, qui est l'équivalent de l'Église dans la religion catholique. Vous êtes expert automobile. Précédemment, vous avez été fonctionnaire au Cameroun. Comment s'est opérée la transition entre ces deux carrières ? J'ai été injustement chassé de l'enseignement où j'étais. Mon dernier poste était au CS d'Akoloninga. J'ai eu un démêlé avec le préfet Ongoto Samson. On est venu aux mains, mais c'était à l'époque où... Vous avez bagarré avec le préfet? Oui, c'était à l'époque où l'autorité de l'État existait encore. Ça s'est passé à 20h, et à 8h le lendemain, Aïdjo nous avait déjà relevé, donc j'étais sous la sanction. Et je suis resté sans poste, jusqu'au jour où, parce que tous mes autres collègues avaient été affectés, et quand moi j'allais voir le ministre Bidia Sangon, il me disait, tes histoires de maquisa de l'Ouest, là, va faire ça ailleurs, tu as battu le préfet. Bon, mais je touchais mon salaire jusqu'au jour où un papa, un boulot, qui était chef de service de l'enseignement secondaire, m'a dit, mais pourquoi tu t'embêtes? Fais une demande de mise en disponibilité, et je vais faire le ministre. J'ai demandé donc une mise en disponibilité, le ministre a signé, et je suis allé faire d'autres études en France pour devenir ce que je suis. Enseignant, vous êtes resté très passionné des mots croisés. C'est l'un de vos hobbies jusqu'à aujourd'hui, un de vos hobbies. Ce n'est pas en enseignant que j'ai fait les mots. Les mots croisés, c'est un sport cérébral qui vous permet de discuter avec vous-même, de confronter votre capacité d'analyse et de déchiffrage, parce que ça vous permet de garder l'esprit éveillé. Mmh. Vous êtes également un passionné de football. J'étais passionné de football et j'ai cessé de regarder le football. Je ne sais même pas si ça se joue encore, parce que j'ai eu une déception sauvage dans le football. J'étais trésorier adjoint de l'Union de Douala. Bon, trésorier, je ne savais même pas où se trouvait le compte. Vous comprenez comment ça se gère. Après, j'ai été président de Racing de Bafoussam à Douala. J'ai fait gagner une coupe. Et il m'est revenu qu'on avait dit à Bafoussam lors d'un congrès que j'avais pris les recettes du stade et que j'avais disparu avec ça. Oh, moi, en tant que président de la régionale, je n'avais pas accès à la recette, parce que la FECAFOOT est organisée de telle sorte qu'au début de chaque championnat, on connaît ceux qui vont chercher les recettes. Donc c'était pour me salir. Et tout de suite, ça a pris d'autres tournures où les gens ont commencé à dire Njinka, car Njinka ne peut pas venir être le président de Racing à Bafoussam, parce que les originaires de Bafoussam appellent ceux qui viennent de la périphérie les Njinka, que les gens qui viennent d'en haut. Donc bon, moi j'ai dit vraiment, le sport pour moi, je croyais que c'était quelque chose pour unir et pour distraire. Bon, si ça devient une histoire de haine, je n'y suis plus depuis là. Je n'ai plus jamais mis pied au stade. Albin Zongra est également un grand bricoleur. Vous bricolez quoi? Vous touchez à quoi? Ben, je suis ingénieur. Vous savez qu'en première année, la première leçon, elle est bizarre. On vous apprend à enfoncer un clou. On vous donne un clou, un marteau et un morceau de bois. On vous dit d'enfoncer. C'est alors que vous comprenez que c'est difficile d'enfoncer un clou. Après, donc, on vous met dans des situations où vous devez vous débrouiller avec les éléments autour de vous. Donc, je me débrouille. Sortir, Rodrigue, justement, quand on parle d'Abel Nzongan, ceux qui vous côtoient, vous aimez les grandes choses, c'est des grandes voitures, c'est des grandes maisons, de somptueuses villas. Si c'était à refaire, vous le referiez? Quand vous dites des somptueuses villas, ça m'embête, parce que je n'ai qu'une maison, je n'ai pas de maison à louer.
J'ai ma maison que j'habite, c'est vrai qu'elle est trop grande. À l'époque, j'étais un peu con. Il y en a une aussi au village ? Ben, la maison du village ne m'appartient pas, parce qu'une maison qui est construite au village, elle appartient à la génération qui va venir, tandis que celle qui est, à la, qui est en ville, il suffit que je ne sois plus là et que un bandit de, parmi mes enfants décide de s'en débarrasser, ça ne sera plus ma maison. Mais la maison du village restera la maison de la famille, parce que ça sera difficile à vendre. Mais je n'ai que ces deux maisons, je n'ai pas d'autres maisons. Mais celle d'ici me paraît grande, parce qu'à l'époque, je l'ai construite dans la dimension de ma famille. 5 enfants, chaque enfant ici, l'autre là-bas, ma mère qui vient doit habiter là-bas, mon père là-bas. Ma mère est morte, mon père est mort, mes soeurs sont mortes. Les enfants sont partis. Les enfants sont partis, la grande maison est là, les bandits peuvent même se cacher dedans pour me tuer. Je dis aux gens, il faut pas, faut faire quelque chose qui... Pour vous-même, si vous faites une maison pour louer, faites une belle maison pour louer pour que ça vous rapporte beaucoup d'argent. Mais si vous faites une maison pour vous-même, ayez une grande chambre où vous pouvez rester toute la journée. Ayez un bon salon où vous pouvez recevoir vos amis. Mais ne multipliez pas des chambres inutilement. Prenez cet argent pour faire autre chose. Merci beaucoup Albert Nzongan. Et nous disons également merci à ceux qui nous regardent de Gao, de Kousséri, Douala, Bandiansou, un peu partout. Nous avons été très heureux d'être des vôtres dans ce cadre de mes préférences. Vous allez céder votre place tout à l'heure avec Emmanuel, comme le temps de, d'évoquer donc ces divergences de vues au MRC. Nous avons passé l'étape de la crise anglophone, de la crise du NOSO. Vous n'avez pas évoqué, est-ce que c'est fait exprès, vous n'avez pas évoqué l'époque Penda et Coca, Paul Eric Kingé. Je parle, je regroupe les deux parce qu'aujourd'hui, ils sont disparus. Mais on sait que ce n'était pas l'harmonie totale. C'est depuis la disparition. Non, je voudrais sincèrement honte pour ceux qui exploitent les morts. C'est tellement triste et douloureux qu'on ne devrait en aucune façon essayer d'exploiter la mort pour essayer d'en tirer profit. J'ai été peiné par la mort de Penda et Coca. Mais sachez que un ami qui meurt, il est à côté de vous. Vous lui parlez. J'ai parlé avec lui. Je lui ai souhaité la paix de son âme là où il se trouve. Imaginez que le jour où on nous arrête, j'ai pris le petit déjeuner avec Penda et Coca chez lui et Madame Doki. Je leur ai dit de rester, que j'aille voir comment... Chez lui à Yaoundé ou à Douala ? Non, à Douala. À Douala. Que j'aille voir comment on prépare la marche. Et en sortant, on m'a dit qu'on avait tiré sur Ndjamène. Et on avait tiré sur lui également, je peux vous dire aujourd'hui, parce qu'il n'avait pas respecté les consignes. Les consignes étaient que on se positionne sur différents coins de Douala et au signal, tout le monde sort en même temps à différents points. Ainsi, le Mami Ouattara ne saura pas par où aller. Mais vous serez en train de dire que si on a tiré sur une diamant, c'était... C'était de sa responsabilité. Non, écoutez, c'est vraiment... Que vous précisiez. Non, vous le journaliste. J'ai dit que il n'avait pas... Il n'était pas au fait que la marche allait être simultanée. Il est sorti de chez lui avec son drapeau. Il a commencé à marcher. Vous avez dit qu'il n'a pas respecté les consignes. Oui. Il n'a pas respecté les consignes. Ce qui est différent de « il n'était pas au fait ». Voilà. Non. Ce qui est différent. Mais si tu n'es pas au fait, tu ne respectes pas ce que tu ne connais pas. Je suppose qu'il n'était pas au fait. D'accord. Parce que la consigne était qu'on démarre simultanément à Bonaberry, il y avait 12 points de démarrage. Ça nous permettait d'être sûr que si le Mami Ouattara vient à Akwa, ceux de Bonaberry auront le temps encore de faire quelque chose. Bon, dès qu'on a tiré sur lui, ça a tout mis en branle et il fallait courir, il fallait voler à son secours. Donc je suis rentré chez Ecoca prendre Michel. Michel.
J'ai laissé ma voiture, on a loué un petit véhicule. On est allé à l'hôpital. On nous a empêchés d'entrer à l'hôpital. On nous a dit de rebrousser chemin. Et pendant que nous rebroussions chemin, on nous a stoppés. On nous a sortis de la voiture et le policier m'a dit « Monsieur Zongan, vous n'avez pas honte? C'est quoi ça ?» Et ils ont poursuivi Michel. Ils ont tiré à bout portant sur elle. Donc, on l'a conduite à l'hôpital. Donc, je le conduire à l'hôpital, Monsieur Benda et Kanto étaient déjà arrivés. De là, on est parti chez moi. On a fait 3 jours chez moi. On a mangé ensemble, on a discuté ensemble, jusqu'au moment où on vient nous arrêter, nous menotter, nous amener à Yaoundé et nous mettre en prison. Qu'est-ce que vous pensez que ces moments de peine passés avec un individu, lui il était mon voisin de lit en prison, qu'est-ce qui peut être au-dessus de ces liens? Juste parce que les gens qui se servent de nous, qui se servent de vous, ont leur logique qui n'est pas notre logique. J'ai même appris que je l'aurais insulté quand j'ai fait mon émission à Equinox. Mais je me souviens que j'ai dit ceci. Hey, je suis étonné. Les relations que je connais entre M. Penda et Koka et Kanto, je suis étonné qu'ils disent Kanto c'est qui? Non, je crois qu'il doit avoir quelque chose. Soit il est malade, soit quelque chose ne va pas. Parce que M. Penda, que je connais avec Kanto, ne peut pas dire Kanto c'est qui. Vous avez mis en doute sa santé mentale. Oui, vraiment. Mais je ne savais pas que peut-être il était vraiment malade. Parce que si vous aviez vécu ce que nous avons vécu, la complicité des deux, et vous entendez ce genre de paroles, vous serez plus étonné que moi. Mais c'est après sa mort qu'on comprend que, comme autour du RDPC, comme autour du MRC, il y a des profiteurs qui ont profité de la gentillesse de M. Ekoka, de l'honnêteté de M. Ekoka, qui, dans l'opération survie Cameroun, a confié tout à des gens qu'il a choisis et leur a fait confiance. Mais quand il s'est posé le problème maintenant de rendre compte, de faire un bilan, ça a tremblé de tous les côtés. Et cette histoire de vol de 300... Le bug, de 300 000 euros. De 300 000 euros est né. Les gens ont soutenu Mordicus. On a dû démontrer par toutes les forces qu'aucun franc n'est perdu. Rien à faire. Sauf que président Albin Zongan, difficile de croire ce que vous dites, tout simplement parce qu'on a vu ce même Penda Ekoka lynché sur la toile, insulté par vos militants. Traité de sardina. Traité de sardina de tout, sans que vous, monsieur Albin Zongan, qui est aussi conseiller, monsieur, de Oskamto comme lui, monsieur, ne sortez une seule fois. Monsieur, je crois que quand vous allez dans le réseau, vous ne prenez que ce qui est négatif. Oui. Nous avons rappelé à l'ordre 1000 fois. Oui. Et les gens de Penda. Vous ne voyez que ce qu'on a fait à M. Penda. Vous n'avez pas vu ce que les gens autour de lui ont dit de Kanto, que les 300 000 euros qu'on a volés, on lui a donné pour payer une voiture. Non. Écoutez, monsieur. Oui. Par respect pour la mémoire de mon ami Penda, je vous interdis d'évoquer ces choses. Est-ce que c'était une douleur supplémentaire pour vous d'être non grata à ces obsèques? Non. Écoutez, quand quelqu'un meurt, la présence même dans ces obsèques, c'est pour faire plaisir à ceux qui vivent. Quand quelqu'un meurt, son âme est là. Si c'est ton homme, tu lui parles. Là où nous parlons, il nous écoute. Et on ne ment pas avec les morts. Parce que les morts ne sont pas morts. Je vous dis, il faut se méfier quand quelqu'un qui a vécu avec vous meurt. Et vous vous amusez avec... Lui peut-être pourrait être choqué ou pas. Il y en a un qui est parti très énervé. Paul Rikinge, pour ne pas le nommer. Vous n'allez pas nous dire que lui aussi... Vous n'avez pas connu les mêmes moments. Non, c'était pas la même complicité. C'était pas la même complicité en prison. Non, Paul Rikinge,
je ne veux pas dire comme une amie que je connais qui a des morts utiles et des morts inutiles. Paul-Éric Nguyen n'a jamais été un ami pour moi. J'ai passé un enfer en prison. Paul-Éric Nguyen m'insultait tous les jours en prison. Et le dernier jour, le vendredi, il se levait à 5 heures. Il a insulté Zongan de 5 heures à 8 heures. Et de 8 heures à 10 heures, il a insulté Kamto, insulté. Et c'est la prison, là, c'est une petite prison. Tout le monde était dans la cour pour écouter, parce qu'il a une voix qui porte. Malheureusement, le soir, on dit qu'on nous a libérés. Il est le premier à venir faire des photos et il le publie dans les réseaux sociaux. Vous nous avez vus en petite tenue parce qu'on était surpris. Je dis donc, ça ne... Un photomontage ? Non. Ce que M. Éric Nguyen a dit à sa sortie de prison n'était rien par rapport à ce qu'il a dit. C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Y compris pour votre cas, il indiquait que vous étiez le collaborateur de Fauchivé et que vous avez fait du mal à ce pays pendant que vous travaillez avec Fauchivé. Mais il sait que j'étais le collaborateur de Fauchivé parce que c'est Fauchivé qui l'utilisait quand il était étudiant pour casser les grèves étudiantines. Et il me voyait. Avec vous ? Bien sûr, il sait que j'étais là. Ah, d'accord. Donc il ne disait pas quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais lui aussi, il est mort. Et la mort est une sentence qui libère tout le monde de tout péché. Je lui souhaite de passer un bon jugement devant le Seigneur et que son âme repose en paix. Mais Éric Nguyen, il ne faut pas le confondre avec Benda et Coca. Et Coca. C'est pas la même chose. On ne peut pas comprendre qu'il ait été, on va dire, qu'il se soit senti abusé par rapport à des accords qui auraient été passés, parmi lesquels justement, la non-présentation de... Mon cher ami est un affabulateur. Vous savez, Éric était quelqu'un de très organisé. S'il y avait un accord comme ça, il vous l'aurait... Il aurait publié. Mais est-ce que dans la logique politique simple, est-ce que ce n'est pas normal qu'un parti n'aille pas investir des candidats dans un endroit où l'autre est bien implanté ? Paul, c'est la logique politique simple. On n'allait pas investir de candidats à Njombe Penja. C'était à qui ? Lui revendiquait le Mungo. Est-ce que lui, en tant qu'individu, dépassait le cadre de Njombe de Penja ? Donc, vous pensez qu'il y a aussi d'autres militants qui vont s'asseoir. Et dans le cadre même de l'unité des gens qui se comportent bien, on ne dit pas je te laisse tes secteurs. On va dans le secteur, on dit il y a 35 députés, il y a 35 conseillers. Bon, toi, mets 10, l'autre mets 25. Et ensuite, on va gérer ensemble. Mais dire de laissez-moi un secteur, ce n'était pas des moutons qu'on avait dans la poche pour sortir et donner à quelqu'un. Il y avait aussi des ambitieux dans ces zones. Comment vous alliez faire d'eux ? Des gens qui ont milité en espérant être maire en Consamba. Tu viens lui dire que non, laisse à Éric Nguyen, tout simplement. Bon, disons que ça m'ennuie de me faire parler des morts. Lui, il a dit, tant qu'il sera vivant, il emmerdera Kamto. Il va le pourchasser, parce qu'il avait dit. Très bien, mon ami. Il va le pourchasser jusqu'à sa mort. Je crois que le Seigneur a voulu qu'il cesse de le pourchasser et qu'il le repose. Ça ne vous inquiète pas, la série de décès autour de Maurice Kamto, ses amis. Vous ne voyez que les décès autour de Maurice Kamto. Là-bas, lorsqu'il est à Yaoundé, tout le monde meurt autour de lui. C'est que chez Kamto qu'on meurt. Vous parlez de quoi, là ? Mais le sultan, là, il était membre du RDP. Hervé Manuel, comme bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. C'est un moment attendu, votre passage ici. Votre parti s'est certainement senti étiqueté depuis le début de cette émission. Nous l'avions prévu. C'est une des raisons pour lesquelles nous vous avons convié sur ce plateau. Vous avez accepté notre invitation sans condition. Peut-être à la seule condition qu'on élève le niveau du débat. Parce que c'était une très grande condition. C'était le sentiment général chez tous les protagonistes. Je vous ai vu prendre beaucoup de notes pendant cette première partie de l'émission. J'ai écouté Albin Zonga revenir sur la gestion du pays par le RDPC, votre parti politique. Vous avez
deux moyens pour entrer dans ce duel, puisqu'on y est. Vous adressez des questions directement à Alain Djonga ou vous posez un regard général sur ce qui a été dit avant votre arrivée sur ce plateau. Mais écoutez, merci Roger. Je vais utiliser. Pardon. Pour... Non, s'il te plaît. Oui. Vous me dites que... Non, permettons-lui de prendre la parole. Je vais comprendre. Vous me dites qu'il représente... Il est membre titulaire du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ah, ah. Il est membre du RDPC. Merde. Titre 2. Membre, admission, droits et obligations. Ça, c'est le statut. C'est quel texte ? Le statut du RDPC. L'admission d'un membre est décidée par le bureau du comité de base. Pour être membre du parti, il faut être camerounais de l'un ou de l'autre sexe. Très bien. Vous avez fini de donner la parole. Je me souviens. Je n'ai pas encore accueilli. Avec Jean Grand. Je me souviens. Avec Jean Grand. Je dois accueillir. Si tu veux faire le clown, je vais te laisser dans ton rôle. Mais non. Je voulais te rassurer parce que j'ai accepté de venir dans cette émission pour qu'on lève une partie de l'ambiguïté. Je n'aime pas la vulgarité. Pour ton information, j'ai réglé mon problème. Je suis camerounais et j'ai ma je carte. Sais. Je non. sais. Ok, tu le sais. Alors tu me laisses sais. Parler. Je sais. Tu as eu le temps de faire le clown. Non. Laisse-moi parler. Non, c'est toi qui fais le clown. Je voudrais rappeler. Mais enfin, non, je voudrais rappeler que. Monsieur Tongue. Que conformément à vos textes, à vos propres textes, le Conseil constitutionnel t'ayant déclaré non camerounais, tu ne peux pas être membre du RDPC. Je crois on a fait toute une émission. Abel Zonga a étudié la mécanique, mais qui laisse le droit. Vous comprenez ? Je sais qu'il est dans un parti, tout le monde est agrégé, mais de ce point de vue, son ignorance est inquiétante. Bon, je lis ce mot. Ok, bon. Vous m'avez invité ici pour porter la contradiction à M. Zonga. Oui. Il veut gagner du temps pour m'empêcher de parler. C'est d'ailleurs un préalable. Nous nous connaissons depuis plus de 30 ans. Et si là, il ne me connaissait pas, il se réfère à ce qui s'était dit au Conseil constitutionnel, c'est qu'il a une mémoire qui commence à poser des problèmes. Mm-hmm. Et je crois qu'il ne peut pas négliger et ignorer le fait que nous nous tutoyons depuis plus de 30 ans. Sure. Alors s'il veut qu'on aille dans le vouvoiement, je sais parler la langue française, mais sinon on peut se tutoyer, c'est dire franchement les choses. Mm. Voilà. Je suis très heureux que vous m'ayez invité pour venir. J'ai été un peu surpris, mais bon, depuis que vous m'avez invité, je ne fais aucune déclaration préliminaire. J'ai reçu, à titre préventif, des injures de sa galaxie politique, j'espère qu'il s'appelle du sectarisme et de l'intolérance, et cela ne m'a pas découragé. Parce que je connais bien Albert Zongang et qu'avec moi, on ne fait pas ce jeu. Et donc, je suis venu ici aujourd'hui pour respecter les Camerounais, les auditeurs de la Reine, qui est une émission très suivie, et faire en sorte qu'ensemble, on puisse faire évoluer la compréhension de ce qui peut nous diviser ou ce sur quoi on est d'accord. Et donc, moi, je ne vais pas entrer dans les bavardages inutiles, j'ai passé ce cap-là. Et l'émission est l'émission de M. Zonga. Ce n'est pas l'émission de M. Nkom. Et à la limite, vous pourriez appeler M. Kidam dans la rue, non. qui peut le connaître, pour lui poser les questions. Et il faut que vous lui imposiez le fait que ce n'est pas lui qui choisit les questions. Quand il est dans un duel... Les spectateurs se font une opinion. Voilà. Nous faisons confiance aux téléspectateurs. Il va souffrir de m'entendre parler, parce que nous nous connaissons, et qu'il ne va pas me faire sa danse. Bon, je voulais d'abord rappeler quelques déclarations de M. Zongan, d'abord de M. Kamtoum et de M. Zongan. Je suis heureux que vous ayez fait cette émission parce que, quel que soit le dynamisme oratoire de Zongan, M. Kamtoum a déclaré, et en direct, et je l'avais suivi en fait sur TV5, qu'il faut aller voir le gouvernement pour faire évoluer la situation de blocage dans laquelle, dit-il, se trouve. On appelle ça dans la langue française le syllogisme, si c'était une erreur de raisonnement. Parce que vous ne pouvez pas voir quelqu'un
dont vous contestez le statut, pour voir quelqu'un, pour faire évoluer une situation, c'est que vous lui reconnaissez le pouvoir sur le cours des choses. C'est simple, c'est net. On n'a pas besoin d'insulter les gens de sardines, machin. Ça, c'est de la langue française. Deuxième chose qui a été dite à l'introduction, et j'ai la parole, et ça me fait plaisir, c'est-à-dire qu'on avait planifié le boycott des élections. Bon, c'est leur droit. Et je veux d'abord faire une citation de mon excellent ami Albert Zongan, avant de continuer sur les remarques. Et il dit, quand vous avez quitté une association, ou disons, il a utilisé l'image d'une femme, femme divorcée qui quitte... Moi, j'ai connu qu'une seule femme, bon. il a utilisé l'image d'une femme qui quitte le foyer et qui passe son temps à tourner autour du foyer. Je regrette, dans la première partie de cette excellente émission, trois quarts du temps étaient utilisés par M. Zongan pour insulter ses anciens amis, c'est-à-dire... faire de l'appartenance au RDPC une maladie honteuse. Je ne crois pas qu'il a la gale sur lui, parce qu'il a été au RDPC, il a bien mangé et il a occupé les postes les plus éminents. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il a été membre du bureau de l'Assemblée nationale. Je crois qu'Esther. Non. Hein, secrétaire. Non. Enfin, il a été au bureau de l'Assemblée. Non. Donc, Albert Zongan n'est pas n'importe qui. Je n'étais pas au bureau de l'Assemblée. Et si Albert Zongan... de la commission des finances. J'étais rapporteur. Rapporteur. Bon, c'est pas n'importe quoi. Parce que si on lui a confié de rapporter une loi de finances et cinq, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des capacités intellectuelles incontestables. Et je le respecte pour cela. Oui, lui ne reconnaît jamais la qualité des autres. Il n'y a que lui seul qui sait tout. Mais moi, je dis, Albert Zongan, c'est pas n'importe qui. Alors, quand on quitte une association, qu'on passe du temps à parler de cette association, ça veut dire qu'on n'est pas encore parti de cette association, qu'on a des regrets. Et parmi les regrets d'Albert, vous avez connu l'épisode de lettre avec le secrétaire général du RDPC, où il voulait revenir occuper la place d'une défunte militante du RDPC. Bon, je le dis pour dire que vous pouvez tourner comme vous voulez. Le RDPC est au centre de la vie politique. C'est vrai que tout n'est pas parfait. Nous devons faire évoluer les choses. Et nous allons parler des derniers événements qui vous intéressent. Et je vais... nous allons assumer notre part. Mais globalement, c'est parce que le RDPC est structurant que Albert Zongan passe son temps, lui et ses amis, à parler du RDPC. Parlons de la sociologie des amis qui sont partis. Albert, il est écrit, un très grand savant roumain, un grand savant roumain a dit, parce que je suis quand même, et je l'assume, malgré les distances politiques qu'on a eues, j'étais l'ami de Penda et Koka. Et je n'accepte pas que tu joues avec sa mémoire. Pourquoi ? Il y a un grand... Si, je le dis. Parce que tu veux instrumentaliser sa mémoire, tu fais une sélection mortifère entre lui et Paul Éric Kingé, qui, comme toi, vous étiez tous les trois anciens militants du RDPC, et vous ne pouvez pas le contester. Vous avez occupé d'éminentes responsabilités au RDPC, tous les trois. Vous êtes allés en transhumance dans d'autres horizons, parce qu'il y avait peut-être de l'herbe, où vous croyez que l'environnement du RDPC s'était asséché, et vous voyez que vous tournez en rond. Donc, pour parler de ça, bon, un célèbre écrivain roumain a dit, les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts doivent ouvrir les yeux des vivants s'ils sont conscients. Très bien. C'est-à-dire qu'on doit faire de ces expériences des choses qui respectent les uns les autres, et qui nous fasse évoluer. Donc, je ne vais pas être plus long. Je voulais dire que je suis venu ce soir pour que Albert et moi élèvent le débat, parce que j'ai lu ici et là, je n'ai pas l'habitude d'aller dans les poubelles cybernétiques, comme quoi ça allait finir au couteau, au non, sang. Bon, je voulais dire aux gens qu'Albert est un très bon ami, agréable, à part parfois ses libertés verbales et accompagnées des injures. Il est quelqu'un qui a été longtemps un grand militant du RDPC, et j'étais encore en France, à la diaspora, il me rendait visite chaque fois qu'il arrivait, et j'avais le plaisir d'être avec lui. Aujourd'hui, je veux savoir qu'est-ce qui nous a séparés, qu'est-ce qui est fondamental, et ce quoi nous ne pouvons pas négocier. Et j'ai entendu de belles phrases de sa bouche, je ne sais pas s'il s'écoute parfois, hein. Il dit, le Cameroun est un et indivisible.
Oui, monsieur. Eh bien, quand il a dit pourquoi est-ce que nous ne serions pas ensemble pour maintenir cette vision qui, je crois, était partagée par l'immense majorité des Camerounais. Donc, à ceux qui pensaient que je viendrais ici pour planter le couteau et insulter Albert Zongan, vous avez tout perdu. Je suis venu interpeller un ami et je suis venu interpeller un ancien camarade du parti et je suis venu lui dire qu'on laisse les faits divers et qu'on dise qu'est-ce qu'on veut faire évoluer. Qu'est-ce qui est différent dans son engagement actuel avec la politique du RDPC que je défends ici. La première question, oui. Non, monsieur, comme... Tu m'appelles monsieur, d'ailleurs. Non, ici, là, quand vous venez en tant que membre du comité central du RDPC, non, c'est monsieur Combe. Vous êtes resté égal à vous-même, capable de démontrer que le chat est un chien. Écoutez, monsieur, la confusion qu'il y a dans la tête de vous qui vous dites RDPC, qui pense que l'État du Cameroun, c'est le RDPC. Voilà. Moi, quand je parle de mes combats, je parle de mes combats contre ceux qui usurpent et qui ont l'effectivité du pouvoir. Mm-hmm. Mais comme dans votre tête, parler du pouvoir, c'est parler du RDPC. C'est là où vous êtes perdu. Écoutez. Redire un peu ce quand vous parlez... Permettez-moi, je n'ai rien dit. Vous n'avez pas peur. Presque religieusement. Au départ, l'article que j'ai lu, oui, ce n'était pas pour vous contester. C'était pour introduire ce qu'on appelle ici une mémoire sélective. Ça veut dire que quand vous avez voulu être député, votre liberté de ton et votre capacité de lutter à la base a fait que vos propres amis se méfient. Et on a utilisé donc le Conseil constitutionnel. Mais tu ne vas pas me retourner contre mes amis. Je sais que c'est un dire ami que j'ai reçu. Et alors, c'est derrière moi. Bon, attends, c'est derrière toi. Mais ça existe. C'est derrière moi, comme quand tu as admis les élections 2018. Derrière lui. Ça existe. Et je dis, quand il a fallu que vos amis vous écartent, on a dit que tu n'étais pas Cameroun. J'ai réglé ce problème. Quand il a fallu que les autres, qui sont pires que toi, parce que tu es allé prendre une nationalité pour travailler, pour apprendre quelque chose. Pour merci d'être un bon avocat. Non, monsieur, moi je suis l'avocat de ceux qui ont la double nationalité. C'est un avantage. Je sais qu'on est d'accord sur ce point. Ce n'est pas un désavantage, monsieur. Je sais, Albert, mais on peut avancer. Non, j'avance en disant que quand les gens se sont servis de cela dans votre propre parti pour te dire que tu ne peux pas être candidat, j'admire ton courage d'être quand même resté et de tenter. Tu m'as appelé pour me témoigner ton amitié. J'étais très sensible parce que tu es un homme d'honneur. Je l'ai toujours fait. Mais pourquoi tu le fais pas en public ? Quand j'avais besoin de toi, quand j'avais besoin de toi, tu es venu vers moi. Donc, monsieur, je ne suis pas ce que tu crois. Je peux continuer. Maintenant, quand tu dis que on a parlé du RDPC, je n'ai pas parlé du RDPC du tout. On va en parler. Oui. J'attendais que tu viennes. Mais j'ai parlé du pouvoir. Mais comme dans votre tête, dès qu'on parle de Biya, on parle du président du RDPC. Et c'est cette confusion à la tête de l'État qui fait que quelqu'un qui se dit père de tout le monde et en même temps père d'une partie du monde, ça le perd. Parce que si Biya n'était pas président de ton parti, je crois que tu ne te sentirais pas indexé quand je critique sa façon de gérer. Rodrigue. On lui permet. S'il souhaite poursuivre, parce que vous avez parlé 7 minutes. On va lui permettre de faire au moins ce temps-là. Hein. Sauf s'il vous laisse. Quand vous avez peur sauf qu'il parte. Sauf s'il vous le laisse, donc, il partira. Donc moi, je te dis, je ne suis pas de ceux qui ont honte de leur passé. Et de ton passé. J'ai milité. Tu as été un des fondateurs. J'ai milité. Si vous le coupez, j'ai milité, son temps de parole. J'ai milité au RDPC quand tu étais opposant. Je n'ai jamais été opposant. Tu vois là où tu te trompes, tu es ton propre ami. Mon ami. Vous allez répondre. Vous allez répondre. Tu n'as jamais été opposant. J'ai commencé à l'UMC, qui, article 1, s'est transformé en RDPC. J'étais secrétaire de la section de France et tu venais chez moi. Comment peux-tu être d'une mauvaise foi? Tu concours pour avoir le plus mauvais. S'il vous plaît. Bon, quelqu'un. Il me connaît. Oui, mais vous allez répondre. Il me dit que je suis l'opposition. Vous allez avoir l'occasion de répondre. Je suis fils du PCC et je n'ai jamais été à l'UPC. Je ne m'en cache pas. J'ai les gènes de l'UPC. Quelqu'un qui, à l'enterrement de son père, de son beau-père a dit que le malheur. Samuel Eboua, pour le nommer. C'est Paul Biya. Non, je n'ai jamais dit. Tu vois comment. Dans ce s'il vous plaît, vous allez répondre, Emmanuel Combe. On va vous donner la parole. Vous m'avez invité pour écouter des choses. S'il vous plaît.
plaît, s'il vous plaît. Mon ami. Quand vous allez répondre, nous serons calmes. Donc tu n'as jamais été opposant à Abia? Non. Oh, très bien. Bon, non, je vais donc te dire. Non, non, ça va. J'ai été autre chose que je vais t'apprendre ce soir. Parce que les Camerounais, j'en ai assez qui parlent de moi à ma place. Ouais. Comprends? Ouais. On m'a attribué une interview que je n'ai jamais accordée dans ce pays. Il le sait. À la nouvelle expression. Qui ne s'appelait même pas la nouvelle expression. Qui changeait de nom. Quelle période de suspension changeait de nom. Non, expliquons bien. J'ai un âge où quand je parle, je fais autorité. Écoute-moi. qui changeait de nom tous les soirs pour des raisons qui le regardent. À cause de la censure. Disons les choses complètement. Non, ça ne m'intéresse pas. En raison de la censure, on change de nom. Ça nous avance. Ça ne m'intéresse pas. Je veux dire que ça vient d'Abel Zonga et quelque chose qui m'attriste. Pourquoi? On m'a attribué une interview que je n'ai jamais déclarée, mais je dis, au nom de quoi? Il y en a qui ont été dans les complots, même contre la sécurité de l'État, ils ont été au gouvernement. Si moi, j'aurais déclaré en quoi c'est la peine de mort qu'on voulait de moi, j'ai fait passer. Non, je viens, c'est ce qu'Albert a dit. Et c'est là qu'est-ce que tu as dit à l'enterrement de ton beau-père? C'est là que je n'accepte pas. C'est là que je n'accepte pas qu'on utilise les morts pour essayer de fermer les yeux à la vérité. Je suis l'unique gendre de Samuel Eboah. Il n'en a pas deux. Oui. Et j'étais légataire testamentaire pour parler à son deuil. Oui. Et j'ai dit que ceux qui ont voulu l'opposer à Paul Biya comme si c'était une affaire personnelle perdent le temps parce qu'ils ne partageaient tout simplement pas la manière de voir l'avenir du Cameroun. Je l'assume. Voilà ce que j'ai dit. Oh, mon Mais Dieu. Ça ne m'a jamais amené ni dans le parti de mon beau-père, qui est fondateur de l'UNDP, que j'avais dit, tu marches avec des gens, ça va devenir confessionnel. On dit, j'étais très bien mon beau-père, ni dans le MDP. Mais j'adorais mon beau-père et j'assume d'être son gendre, c'est un grand monsieur là où il se trouve. Maintenant, je reviens, parce que Albert veut nous amener loin inutilement. Albert Zongan a dit quelque chose de très important, que je partage avec lui depuis d'ailleurs, mais c'est sa manière de l'exprimer qui est quand même surprenante. Albert Zongan dit que l'ECAM est un organe. Je résume. La manière dont il présente, c'est comme si l'ECAM était un organe de base du RDPC. Bien sûr. C'est inexact. Bien sûr. C'est inexact. Bon. Parce que Albert sait très bien que l'administration camerounaise n'est pas un organe de base du RDPC. Et Albert et moi, on partage une chose. Non, nous avons ce degré longtemps de malhonnêteté, je ne sais non, pas. Non, non, si non, attends, faut. Albert. Nous sommes dans un État parti. Non, Albert, nous avons longtemps mené un combat pour que la spirale de la fonctionnalisation de la vie politique n'aille pas au-delà de certaines choses. Et là où je veux le surprendre, nous devons nous mettre ensemble, parce que vous allez voir que l'actualité même des sous-préfets et tout ça qui sont mêlés aux opérations de renouvellement des organes de base rejoint ce qu'Abel et moi on a vu il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire que certains de nos compatriotes, du fait de leur position, confondent souvent les genres et créent un mélange qui peut être de nature à créer la confusion. Vous comprenez? Et je vous dis, de ma modeste situation, de là où je me trouve dans le RDP, j'ai été le premier vice-président pour la commission de contrôle des élections dans ce département, 6 sections. Et je dis à Albert qu'il doit être rassuré. Nous ne pouvons pas accepter que les organes de l'État deviennent des organes de base d'un parti, quel que soit ce parti. Il a déclaré, moi je l'ai noté, et j'en étais ravi, ça veut donc dire que quand nous rentrerons dans qu'est-ce qui peut nous qu'est-ce qui nous divise aujourd'hui, oui, ça ne peut pas être dans ces trucs qui sont souvent des slogans de faits divers. Je veux qu'il me dise philosophiquement. Il y a cette question. Qu'est-ce qui nous divise? Qui reste en suspens? Parce que moi, je ne lui dis pas, par exemple, qu'on qu'est-ce dit partout qui divise fondamentalement. Parce que je sais qu'il n'est pas. Hein? Avec vos anciens camarades du RDPC. Non, ne dites pas mes anciens camarades du RDPC. Nous, on n'a pas d'ancienneté dans un parti. Le parti politique, c'est un support qui porte une idéologie. Dès lors que vous cessez d'appartenir à cette idéologie, vous n'êtes pas un ancien de ceci ou de cela. Moi, j'ai milité au RDPC parce que j'ai obéi, j'ai cru aux sirènes du changement, la moralisation, le livre de Paul Biya pour le libéralisme communautaire. Et durant toute ma période de militantisme, j'ai mesuré par moi-même que c'était des slogans creux. Lui, il connaît la peine que j'ai eue ici pour être président de section.
pour la simple raison qu'on disait que je n'étais pas né ici, alors qu'avant moi, c'est un nordiste qui avait occupé le poste pendant des milliers d'années. Tanko Assa. Il sait que pour que j'aille à l'Assemblée nationale, il a fallu que je menace de faire ma liste avant qu'on accepte de faire une liste consensuelle parce que ma tête ne plaisait pas aux gens. Et il sait que ce qui m'a chassé du RDPC, c'est un élément qui est aujourd'hui un élément fondateur de la destruction du vivre ensemble. C'est le mot autochtone halogène. On va y arriver. J'avais dit, méfions-nous. Rien que l'énoncé de ce mot va casser des amitiés de longue date. On va finir par pomper dans la tête des gens que si tu es de Kolmondo, celui de Akwa n'est pas ton frère, méfie-toi. Et ça risque de poser problème. Je crois que j'avais raison. Parce que la plupart des choses que nous vivons aujourd'hui tournent autour de cette histoire d'appartenance ethnique. Or, un pays ne peut pas, qui est constitué de plusieurs ethnies, ne peut pas baser sa politique sur la séparation ethnique. C'est une richesse. Parce que quand on a parlé de guerre, là où il y avait des génocides là, au Rwanda, c'était deux ethnies, les Hutus et les Tutsis. Nous sommes 286 ethnies au Cameroun. Imaginez qu'on se mette... Albert, tu m'éloignes du Cameroun, viens. C'est sa réponse. Je dis donc, moi, à un moment, j'ai dit ce que j'attendais pour le vivre ensemble, pour la méritocratie, pour la construction collective et le partage à tout le monde du fruit de la croissance de notre pays n'est pas possible avec un parti dans lequel le mérite n'est pas reconnu. Mon Dieu. Je suis parti. Nous avons enregistré sa réponse. Oui, Hervé Emmanuel Combe. Non, je pense qu'Albert est en train de nous entraîner dans des généralités parce qu'il en a profité. Mais bon. Pour faire quoi? Beaucoup s'il chose, vous plaît. Beaucoup de choses. Ah non. Tu es face à la caméra. Non. On s'est dit. L'un de mes profits, c'était quoi? On s'est dit. L'un de mes profits, c'est quoi? J'ai perdu, monsieur. Non. J'ai tout perdu. Tu me laisses parler, s'il te plaît. Mon engagement, c'est qu'on se donne aucun coin en dessous de la ceinture. Et je vais dire qu'Albert Zonga a raison. Moi, il connaît mon avis là-dessus. Je suis globalement contre ce qu'on appelle l'équilibre régional. Parce que si elle est de bonne intention de départ, débouche souvent sur des combines qui masquent que les moins qualifiés soient devant les plus qualifiés. Donc on n'a pas de divergence là. Si c'est ça qu'il a fait partie au MRC, il aurait pu mener ce combat à l'intérieur du RDPC. Parce que c'est quelque chose qui prend vraiment du terrain, les gens comprennent cela. Mais Albert a dit quelque chose aujourd'hui qu'il ne faut pas laisser passer, parce qu'on ne reviendra pas là-dessus. S'agissant des événements qui ont eu lieu ici après la présidentielle, Albert ne doit pas vous imposer son analyse, parce qu'il le sait en tant que politique expérimenté, que si le MRC avait même un seul siège de député ou de conseiller municipal, sa voix serait entendue même du fond de cette isolation. Je voudrais dire à Albert aujourd'hui que j'ai compris, il est en train de souhaiter qu'il y ait des événements comme à Conakry, mais ça ne viendra pas, ça tu vas le rassurer. Mais en dehors de ça, le MRC ne peut pas normalement avoir un candidat à la présidentielle si elle a lieu demain. Nous, on n'a pas. Elle ne peut pas. Qui vous a dit que tu inventes une autre république. Monsieur Combe, s'il te plaît. Nous ne sommes pas des pouvoiristes. Je baisse le ton, mais maintenant, laisse-moi aller jusqu'au bout de mon intérêt. Qui vous a dit que notre militantisme... Mettons à Emmanuel Combe d'arriver au bout. Nous ne vivons pas pour être candidat. Nous vivons pour changer le Cameroun, pour qu'il soit un Cameroun vivable par tous ses fils. Albert, vous l'avez dit, on l'a entendu. Tu parles de candidat. Oui. Albert Zonga nous révèle quelque chose aujourd'hui parce que il vous fait le ciment, il dit que lui n'est pas militaire, mais c'est un homme qui connaît les affaires de sécurité nationale. C'est mon ami. Albert a révélé que
le matin où ils étaient, le fameux matin où, entre autres, Ndiamène raconte qu'on a tiré sur lui, c'était une balle non létale, il faut arrêter ça. C'était non létale, on a brûlé son pantalon. Oui, je veux dire, l'arrêt sur Ndiamène, ça va prendre du temps. Donc, Albert nous révèle que il était un des meneurs du jeu, mais que tout le monde n'avait pas la maîtrise des consignes. Ouais. Et que Ndiamène pourrait être sorti précipitamment afin que la stratégie de la toile qui voulait que ils envahissent la ville de toutes parts a échoué. Ce que les Camerounais doivent tirer de cette déclaration, c'est que ce n'était pas une question d'autorisation de manifestation, c'était une organisation d'une meute généralisée. Parce que dans le droit public camerounais, vous ne pouvez pas demander pour le même jour, pour la même cause d'autorisation, pour défiler à 1000 endroits. – Tu parles de quoi ?– Je prends les Camerounais à témoin. – Mais monsieur, je peux terminer. – Je crois que vous vous plaisez, vous plaisez à bavarder. – Allez-y, vous avez une minute. – Tu m'as plusieurs fois insulté. – S'il vous plaît, on a dit qu'on ferait… La preuve, l'affirmation vient d'Abel Zonga aujourd'hui. Ces événements-là étaient planifiés pour créer le chaos. Et ça n'a pas marché. Alors, moi, je dis à Abel aujourd'hui que quand on a fini de parler de tous ces problèmes, et nous nous sommes traités des noms, je voudrais que sur des problèmes qui interrogent les Camerounais et qui leur posent l'inquiétude même sur le sentiment d'appartenance, le sentiment de sécurité, qu'il apporte la réponse et que nous confrontons si nous avons une divergence ou si nous pouvons évoluer. C'est ça le dialogue permanent. Mmh. Donc, parmi ces questions, je ne veux pas être polémique, parce que je sais ce qu'ils pensent. Lors de la campagne présidentielle 2018, le candidat qu'il a coché a déclaré que s'il était élu en 3 mois, la paix serait surtout, le Cameroun serait une prairie. Vrai ou faux? Il a déclaré. Bon. Et aujourd'hui, et vous avez vu, Albert, qui est un patriote, a du mal à distinguer ambazonien, sécessionniste et tout ça. Il dit tout ça, on se parle. La différence que nous allons avoir à Albert, c'est que celui qui prend les armes pour occuper le Cameroun, changer, s'approprier un parti du territoire, tu ne peux plus discuter avec lui de la même manière. Et dans ton discours, il y a quelque chose qui me gêne. Tu mets presque à même pied d'égalité les forces de défense et sécurité de notre pays qui ne sont pas une force d'occupation avec des voyous, une entreprise terroriste. Ce n'est pas parce que vous avez été ensemble à la prison de Koningi que tu dois composer avec... Non, je termine. Oui, termine. Et tu as donné l'impression que tu étais en mission, que vous étiez en mission. Ouais. Et que l'État ne vous a pas encore assez exploité en sortant en disant qu'est-ce que vous vous êtes alors dit avec vos voisins de prison. Mon ami. Est-ce que c'est ça? Mon ami, comme ce discours. Nous écoutons. C'est lui qui l'a dit, non? Ce discours. Nous écoutons tranquillement Abel. Ce discours. Je l'écoute même religieusement. Quelqu'un m'a envoyé, mais ça pour me dire que c'est un faux catholique. Ce discours de faux patriote, de patriote de pacotille, de patriote d'exclusion. Ne marche plus. J'ai pas d'exclusion. Je vous ai dit. Un abasonien peut être. S'il vous plaît, monsieur, on a promis de appelez-le. Appelez-les comme vous voulez. Comme vous voulez. J'ai dit que n'importe qui peut se lever un matin, dire même qu'il fait de Colmondo son pays. Non. Ça ne lui donne pas ce pays. Ah non, mais écoutez, monsieur. Ils sont libres de dire qu'ils sont ambazoniens. Mais si dans votre tête, vous pensez qu'ils ne sont pas ambazoniens, qu'ils sont camerounais, vous les traitez en camerounais. Dès lors que vous dites que vous êtes en guerre avec eux, ça veut dire que vous leur donnez le droit de penser qu'ils ne sont plus camerounais. Moi, je dis, je ne suis pas en guerre. Je voudrais que les enfants qui se fâchent s'asseyent pour parler sous le contrôle de leur père. Et aujourd'hui, de fait... Et leur père s'appelle aujourd'hui, de fait, leur père s'appelle, par la confiscation... Albert, leur père s'appelle. Mais celui-là, il est en train de répondre. Qu'est-ce que votre problème, monsieur? Mon problème, c'est votre problème. Vous êtes sourd? Vous êtes sourd? Oui, si, je vous dis que leur père, du fait de la confiscation par force du pouvoir, est M. Biya. Merci. Oui, monsieur. Oui, j'ai fait parler. Il a l'effectivité du pouvoir qu'il a arraché. Bravo. Et qu'il contrôle avec le BIR et ses militaires et ses millions de militaires, alors que nos hôpitaux, nos écoles n'ont ni enseignants, ni infirmiers. Monsieur, quand un bandit a pris ta voiture et il braque le pistolet sur ta tête, tu cries, mais il part avec la voiture. C'est pas parce que M. Biya a pris de force un pouvoir qu'il a sécurisé en recrutant
des militaires, y compris même des instructeurs qui ne sont pas camerounais, parce qu'ils estiment que nos généraux ne sont pas capables de le garder. Mais laisse-moi parler, qu'est-ce qui te gêne ? Donc quand vous dites que vous allez en guerre contre ceux qui se disent ambazoniens, ça veut dire que vous-même, vous leur reconnaissez la qualité d'être un pays autre que le Cameroun. Je dis que, et ça revient même dans cette histoire de double nationalité, où on pense qu'un Camerounais qui allait se chercher et qui, pour mieux s'adapter, a pris une nationalité qui est un prénom. Parce que la nationalité de naissance, je ne vois pas comment quelqu'un va me dire que je ne suis pas Camerounais. Mais quand un monsieur qui est Camerounais, nous connaissons que c'est notre pays, le Cameroun, déclare qu'il est ambazonien, il peut même déclarer qu'il est allemand. Mais nous disons, monsieur, tu es Camerounais, assois-toi, on discute. Si tu es allemand, le pays allemand est ailleurs. Donc vous ne pouvez pas dire que je discute, je combats les ambazoniens. Il n'y a pas, aujourd'hui, il y a des Camerounais qui, dans leur fâcherie, c'est comme un enfant qui se fâche, il te dit, tu n'es pas mon père. Mais ça n'enlève pas le fait que tu sois son père. C'est donc, monsieur, si c'est ça une excuse pour vous, pour ne pas entrer en discussion, tu dis qu'on est allé discuter avec les gens. Quand vous nous mettiez là, vous oubliez qu'ils étaient là. C'était pour penser, bon, pour tenter de on voir. On t'a pas envoyé pour parler avec les terroristes. Je voudrais rappeler que vous êtes chacun ici de très hauts responsables de vos partis politiques respectifs. Ouais. Donc vous emportez aussi la parole de votre parti. Et les attentes du public, c'est que vous donnez la position de vos partis politiques, de vos chapelles politiques par rapport au sujet en question. Nous en sommes à la question du patriotisme tel que vécu, tel que perçu par le MRC et par le RDPC. Nous avons une première réponse d'Abin Diongan sur cette question. Est-ce que vous, qui estimez qu'au sein de l'opposition on retrouve des gens antipatriotes, vous pouvez nous relever quelques aspects de l'antipatriotisme perçu à partir de votre opposition ? Bon, alors moi je vais vous dire, il faut d'abord exclure Abin Diongan est un patriote. Nous nous connaissons. Bon, même si pour des raisons de mercantilisme électoral, il joue souvent avec les mots, mais c'est un patriote. Mais qu'est-ce que nous entendons par antipatriotisme ? C'est le fait qu'il y a des choses qui relèvent du domaine de non négociable. Par exemple, la superficie du Cameroun. Albert le sait. Moi mon père a donné sa vie pour cela, c'est ce qu'on appelait les nationalistes. Albert sort d'une zone qui c'est le coût qui a été payé pour que nous arrivions à ce Cameroun. Donc, nous pouvons avoir un débat sur la gouvernance, l'amélioration de la gouvernance. Nous pouvons avoir un débat sur la qualité de vie des Camerounais, sur l'allure du développement que nous devons avoir. Mais nous devons avoir un socle commun qui est notre maison commune sur ce qu'on ne peut pas négocier. Je voudrais rappeler Abel Le Serre, en 1894, je prends les dernières dates, même en 1914, le Cameroun avait 948 000 km². À cause du jeu des puissances, le Cameroun a été ramené avec le référendum truqué à la superficie que nous connaissons maintenant. Et Albert sait que Bakassi n'était pas négociable. Donc si vous commencez à négocier sur ce que vous êtes, sur la partie la plus incompressible de ce que vous êtes, vous cessez d'être patriote. Et aujourd'hui, le problème est que même si vous draguez les voix, vous n'avez pas le droit de dire que vous pouvez entrer en conversation avec quelqu'un qui a les armes à la main, vous dire « Moi, je veux la partition de vos territoires. » Donc, qu'est-ce qu'on fait, donc ? Qu'est-ce qu'on fait ? Puisque Albert a donné l'impression de connaître les adresses de ces gens, n'est-ce pas ? Il faut leur dire d'arrêter. Il faut leur dire simplement d'arrêter. Il faut leur dire de déposer les armes. Et en ce qui concerne... Avec les centres de DDR, avec la reconstruction dans le c'est pour vous permettre de repartir. Oui. On a bien vu que le pouvoir a décidé de leur demander de déposer les armes. Mais on n'a pas l'impression, au vu des nouvelles qui nous parviennent de la brousse, pour reprendre l'expression consacrée, que cet appel a été écouté. Que faisons-nous maintenant ? Bon, alors, Rodrigue, d'abord, il faut cesser de dire le pouvoir. C'est le Cameroun. C'est au nom du Cameroun que le président agit. Il n'agit pas comme un chef d'un groupe contre un autre groupe de Camerounais. Il parle au nom du Cameroun. Deuxième chose,
Vous avez parlé des DDR et tout ça. Ce sont des détails que chacun peut suivre. Maintenant, ce sont des instruments de démobilisation et de réinsertion. Mmh. Vous comprenez ? Mmh. Mais la vraie question, et c'est là où nos oreilles percipent pour la plupart d'entre nous, c'est de demander, par exemple, un cessez-le-feu, comme si notre armée, sur notre territoire, était une armée d'occupation. Et vous mettez, il vient de dire que c'est une guerre asymétrique, il a raison. Mais si elle est asymétrique, ça veut dire que ceux qui se sont attaqués à nous, ils n'ont pas de place chez nous. Prenez la différence. Prenez la différence avec Boko Haram. Ça, c'est d'accord. Boko Haram est une question nigériane qui s'est invitée chez nous. Et je suis sûr qu'Aben n'acceptera pas une seule seconde qu'on aille s'asseoir pour négocier avec Boko Haram des conditions de l'arrêt de leur hostilité dans le bassin du lac Tchad. Donc voilà des questions qui ne sont pas, mais elles ne sont pas insurmontables. Mais on les surmonte comment ? Parce qu'il faut. On les surmonte en se parlant, par exemple, avec entre nous, Albert et nous, par exemple, disons le MRC. Ce n'est pas parce qu'elle est en compétition avec le RDPC qui est le parti au pouvoir. Si tout l'ensemble des organisations politiques adoptaient une position commune, elle serait d'autant plus forte que ceux qui ont pris les armes ne trouveront aucune oreille complaisante pour leur faire croire qu'on peut les écouter, même si vous avez passé 9 mois ensemble. Mais je vous pose la même question que j'ai posée à Bert tout à l'heure. Pour faire la guerre. Il y a le grand dialogue national, vous n'y croyez pas également ? Ah ben j'y crois, j'y étais. Ben, on organise mais quoi donc le grand dialogue national doit être permanent. Le dialogue, c'est qu'Albert vienne au dialogue. Vous comprenez ? Albert doit s'asseoir et avoir ce discours en disant écoutez, il y a des Camerounais qui pensent que le prix du pain est élevé. Il y a des Camerounais qui pensent qu'on n'a plus besoin pour construire une salle de classe d'aller chercher un sous-fonctionnaire au ministère. Donc il faut améliorer la gouvernance. Il faut que l'État soit humble. Non. Maintenant, non. Ce n'est pas une raison pour prendre les armes ensemble à Séongou. Alors, Abel Zongan, si le RDPC vous invitait à un dialogue, non, d'après la suggestion de Emmanuel, quand le diable t'invite à dîner, tu nous appelles diable, tu n'y vas pas parce que sauf si tu as une cuillère de 12 mètres, tu sais que c'est des bandits. Vous savez le nombre de fois il a été en Bokmeka. Plus que moi. J'y étais même plus même, que moi. Bokmeka a même envoyé des hélicoptères me chercher. Voilà. Mais moi je n'ai jamais été. Monsieur Combe. Voilà. Je t'ai dit, oui, mon frère, je t'ai dit à Sawa, oui, avant les élections de 2018, oui, oui. Nous avons que tu as dit que j'étais dedans. J'ai dit oui, j'étais dedans, j'étais même le pire. Mais j'ai accepté de me repentir. Monsieur Combe, ouais, vous n'avez pas de place dans le RDPC. Quand vous tenez le discours, tu viens me draguer ? Quand vous tenez le discours que vous tenez, oui, malheureusement, de temps en temps, les relents de quoi de l'huile vous dit attention. Alors, je suis sardinard. Non, il n'y a que l'huile. Mais moi, j'assume d'être sardinard. Il n'y a parce que l'huile. Je suis de la bonne sardine qu'on peut manger à table. Oui, il n'y a que l'huile. Je ne suis pas dans les bandes de voyous. Attends-moi continuer. Ouais, vas-y. De temps en temps, tu te dis non, il faut que je fasse plaisir aux miens. On ne fait pas plaisir aux siens en les poussant à la mort. Vous savez, un seul soldat qui tombe. Oui. Il faut considérer que c'est ton petit frère qui est tombé. Mais bien sûr, moi j'ai perdu un neveu là-bas. Et c'est ce qu'un prêtre a dit. Oui, oui, mais laisse le prêtre. Non, ce prêtre, le buzz. Ce prêtre vous a décrit. Il faisait le buzz. Non, il vous a décrit les gens. Quel buzz le monsieur qui allait se faire. Le monsieur qui allait se faire. Parce que nos soldats ont des familles. Nos soldats sont des citoyens. Ils défendent le territoire. Ce ne sont pas des voyous. Mais on les choisit. Écoutez. On les choisit. Mais ça, c'est quoi ça? Oui. Vous m'avez donné la parole. Oui, 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 tu l'as. Non. Mais je vais te dire, quel est l'intérêt d'aller tuer les gens qui sont dans une église? Je suis presbytérien. Un dimanche. Ça rapporte combien? Non, monsieur, ne nous présentez pas les conséquences. Ah, on sait que vos chefs ont eux-mêmes des groupes qui tuent. Non, parce que pour donner l'impression que cette guerre ne va pas finir, vous entretenez la guerre. Albert. Comment, monsieur, comme vous refusez qu'on ne peut pas faire la paix? Vous êtes déjà convaincu qu'on ne peut pas faire la paix? Vous voyez, il me fait dire ce que je n'ai pas dit. Non, vous avez dit qu'on va faire la paix. Il a proposé le dialogue. Il a proposé le dialogue à condition que le MRC... Monsieur, quand ce monsieur ont commencé, excusez-moi, oui, quand les avocats ont revendiqué
qu'on fasse des textes en anglais si on ne les avait pas attrapés pour mettre en prison. Non, c'est facile. Bon, c'est tout facile. On voit comment ça commence. Le feu qui brûle. Tu as suivi ce qu'a le feu, le feu qui brûle toute une grande maison là. Oui. Ça commence comme ça. Oui. On a vu commencer. Oui. Et chaque fois que vous avancez, ce qui m'étonne de toi, qui a été en France, qui a côtoyé les grandes sommités nous de, la ensemble France, derrière, de la France, oublie qu'on ne gagne pas une guerre contre un peuple. C'est un chaque peuple qui se bat contre le peuple. Oui, peuple se bat contre lui-même. C'est un peuple des. Oh là là. Qui ont une culture. Oh là là. Ils sont peuples de leur culture. Oh là là. Tous les peuples de cette culture-là, même ceux qui sont à Yaoundé, qui vous trompent, qu'ils sont pour, avec vous mentent. Parce que ces gens-là. C'est eux qui tuent les paroissiens le dimanche. On ne sait pas qui a tué les paroissiens. Merci. On sortira par la question des élections. Oui. Albert Nzong estime que le système électoral en place ne permet pas d'alternance, ne permet pas de résoudre les problèmes de fond. Il a notamment indiqué en quoi le code électoral était une entorse à la démocratie. Moscanto, que nous avons réécouté tout à l'heure, nous l'a également indiqué. Est-ce que vous pensez que le code électoral est perfectible? Mais moi, je veux vous dire, mais par définition, tout est perfectible. Non, même les vérités. Comprenez, vous savez de quoi je parle. Oui, oui, non, mais je vais y arriver, ne me prêtez pas la réponse. Je vais dire si c'était ça la question fondamentale. Vous comprenez? On devrait la surmonter à tout moment, à condition que nous nous investissions collectivement dans la bonne foi. Écoutez, c'est avec ce code électoral que nous avons des députés PCRN, que nous avons des députés UDC, mais c'est avec ce code électoral que nous avons eu des députés SDF, et nous avons eu l'UPC, nous avons eu le FNSC, l'UNDP. C'est avec ce code électoral qui doit, par définition, évoluer, parce qu'il est fait par les hommes, il doit aussi évoluer avec l'évolution des hommes. Donc en faire un obstacle insurmontable, c'est ou de la lâcheté, ou de la mauvaise foi, ou les deux ensemble. Donc je pense que en s'asseyant, en discutant, en progressant, et avec tout le concours des différentes couches fortes vives de la nation, ça ne devait pas être une question qui nous divise. On doit évoluer. Vous n'avez pas cru au discours de la main tendue de Maurice Kamto? Il a tendu la main à qui? À qui? Au pouvoir. À quel pouvoir? Bon, Maurice Kamto a tendu la main au pouvoir. Il n'y a pas cru. Moi, je n'ai pas l'expression d'Albert Zonga. Vous n'y avez pas cru. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Voilà, Albert Zonga, oui. La chance que nous avons. Mais il a pris la parole pour monsieur. La chance que nous avons, c'est que quand nous crions non au hold-up électoral, il y a pas eu hold-up. On disait que nous étions des antipatriotes. Mais maintenant, j'ai vu des pancartes du RDPC dans le dans l'endroit qu'on appelle le granit. Non au hold-up électoral. Ce n'était pas une élection nationale. C'est une élection interne où les gens condamnent le hold-up. C'est que c'est dans votre ADN. Merci. Vous avez tellement l'habitude de voler les autres que vous vous surprenez à vous voler vous-même. Vous rendez pas compte que vous êtes en train de voler. Je ne peux pas laisser passer ça. Non, tu ne sortiras pas. Je n'ai pas fini. Ouais, continue, monsieur le procureur général. Un parti comme le vôtre, qui est un parti État. Dis donc, tu fais une fixation. Qui va quelque part une association privée, parti politique, brûle une sous-préfecture. Oui. Et rien n'est dit. La résidence du sous-préfet. La résidence de sous-préfet. Non, on va y arriver. Rien n'est dit. Oui. Alors que quand des gens pensent seulement qu'ils vont marcher, ils pensent. Oui. On vient la nuit les prendre chez eux, on les met en prison. Ok, je peux donc reprendre. Je n'ai pas fini. Nous avons 5 secondes et nous n'avons plus de temps. C'était un mauvais dirigeant sportif parce qu'il pouvait épuiser le match même s'il cache le ballon hors du terrain. Non, monsieur, avec toi, on ne cache pas le ballon. Je voudrais te dire que ce qui est profitable pour le Cameroun, c'est ce qui vient de se passer au RDPC, où la preuve est donnée que la revendication d'un mieux-être peut venir de n'importe où, et peut-être de l'endroit où on s'attend le moins du monde. Très bien, alors je vais répondre. Oui. Qui eût cru que la créature du créateur se trouve en pleine brousse devant un pont coupé
et a peur d'un arbre qu'on lui a coupé, de couper derrière lui. Non, monsieur, ne me coupez pas. Ne me coupez pas. Et qu'il soit obligé d'aller s'asseoir devant une cabane pour écouter les gens et d'aller nuitamment faire des plaques pour dire que la route sera construite. Toi, tu sais comment ce que vous venez de donner, ce que vous venez de donner au peuple camerounais est un exemple formidable. Si vous là-bas, à Komodo, là où il y a des inondations là, vous pensez qu'il faut le réparer, allez barrer la route. On viendra mettre, mais monsieur, tu veux créer une république de l'embuscade. Mais bon, c'est pour terminer. Oui, oui. Je voulais dire une chose. Albin Zongang connaît très bien le RDPC. Et il sait que nous avons eu un renouvellement qui n'a rien à voir avec tout ce qui se passait avant, parce que maintenant, c'est tout le peuple du RDPC qui votait. Nous avons 377 sections dans le monde, 360 au Cameroun, 17 à l'étranger. Mais avant que je ne développe sur la relativisation de ce qui s'est passé, c'est que par définition, nous condamnons tout acte qui est à la fois un trouble à l'ordre public et une forme de vandalisme contre la République. Vous comprenez? Et je voudrais que Albin Zongang utilise le même ton, la même énergie, virilité, pour dénoncer les gens qui sont proches de sa galaxie, la brigade anti-Sardinard, qui saccagent nos ambassades, qui affichent des drapeaux qui ne sont pas du Cameroun, qui maltraquent et malmènent nos diplomates. Tu aimes les proverbes du village. Je propose qu'on condamne les nôtres qui se sont inscrits, il faut faire attention à la désinformation. On montre par exemple des images disant que c'est dans le Mbam, il y aurait eu un mort. Ça n'a aucun lien avec nos opérations. Non, vraiment. C'est quelque chose qui a eu lieu avant et qu'on a voulu instrumentaliser pour conclure. Ce qui nous plaît. Vous aussi renouvelez vos organes si vous en avez. Nous, on est merci. Hervé Emmanuel, merci d'être passé par ici. Vous restez. Oui, mais je voudrais dire, monsieur, tu m'appelles monsieur Emmanuel Combe qui s'en va, que la leçon qu'il vient de donner au Cameroun, que le vol est dans l'ADN du RDPC, nous satisfait. Le granit, le socle granitique de votre parti s'est trouvé effrité. À partir de ce moment-là, vous devez comprendre que notre voix porte. Puisque l'un de vous... Donc c'est vous qui êtes venu brûler la sous-préfecture. L'un de vous a dit que c'est nous. Oui. Ah bon, c'est Gassi, vous. Gassi a dit que c'est le MRC qui a brûlé. Et comme le MRC n'est pas venu là-bas avec des charters, ça veut dire que le MRC a des militants dans le RDPC, dans le socle granitique de M. Biya. C'est formidable. Je ne peux pas laisser passer ça. Non, je ne peux pas. C'est un de vos militants qui a dit que c'est nous qui avons brûlé. Nous avons beaucoup de respect pour toi. Tu es un ancien parlementaire. Il faut que tu te mettes un modulateur de fréquence verbale quand tu parles des affaires d'une association dont tu n'es plus membre. Non, ce n'est pas une association. Quand on brûle la maison du sous-préfet, c'est un bien d'État. 5 millions de personnes au Bamou. Non, vous n'avez personne. Réduire cela vous n'avez parce personne. Qu'il y a un incident. Vous n'avez merci, personne. Merci, cher monsieur. Merci. Vous avez 5 pour millions ce de débat, nous allons prendre la deuxième dorsale. La deuxième dorsale. Bonne fête. De l'interview de cette émission consacrée aux questions de souveraineté économique. C'est inscrit dans le mantra de votre parti politique que vous êtes attaché à la souveraineté économique. C'est faux, ils ont vendu le Cameroun. Hervé Emmanuel Combe n'est plus avec nous. C'est vous qui êtes bien là. Il délire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous indiquer en une minute ce que vous mettez dans la souveraineté économique? Mais la souveraineté économique, c'est la possession de son économie, c'est la mainmise sur son économie. Vous ne pouvez pas avoir une économie que vous ne contrôlez pas et que vous confiez aux autres et décider de vous développer. On ne peut se développer que si on peut soi-même définir sa politique économique, sa politique agricole, sa politique industrielle. Mais si vous pensez que d'autres viendront développer votre pays à votre place, non. Les relations entre États, a dit Chirac,
c'est des relations d'intérêt. Il n'y a pas de pitié. Si je viens chez vous, je tire le maximum pour le chez moi. Et c'est à vous de vous arranger pour que je ne prenne pas tout et vous laisse nu. Alors, s'il vous plaît. Il y a ces images qui ont défilé sur les réseaux sociaux. Le président Kamto reçu par un député français. Par le vice-président. Oui. Et puis, il y a cette interview dans le quotidien, dans le Monde Afrique, le quotidien, dans le Monde Afrique, où M. Kamto s'insurge, entre guillemets, de ce qu'il ne soit pas reçu en France par les officiels. Alors, on veut savoir, on est en quête de souveraineté, en même temps, on est en quête d'audience avec les officiels français. Non, vous avez mal compris. Oui, et vous êtes là pour nous expliquer. Chaque fois, quelqu'un qui usurpe le pouvoir vous a dit qu'il est le meilleur élève de la France. Nous allons chez son maître pour lui démontrer que c'est un mauvais élève. Son maître refuse qu'on entre. C'est lui qui nous montre la voie, il dit qu'il est le meilleur élève. Et chaque fois qu'il a un problème, à un moment, on disait que c'est l'ambassadeur de France qui gouvernait. Donc nous, si on sait celui qui gouverne, mais heureusement, on va chez lui. Pu rencontrer juste l'ambassadeur aussi. Lui aussi, on cherche à le rencontrer, mais il fuit. Parce que s'il nous rencontrait, on lui aurait dit, comme c'est toi qui gouverne le Cameroun, voici ce que nous pensons pour le bien du pays. Est-ce que tu peux le faire? Je voudrais tout simplement, avant qu'on avance, vous dire, méfions-nous. Aucun ami étranger ne viendra arranger votre maison. S'il arrange, même c'est pour mieux fixer tout ce qu'il y a dedans et au besoin, venir vous voler. Votre maison ne peut être bien arrangée que par vous-même. C'est pour ça que les sages ont dit, pour qu'on te lave bien, il faut que tu te frottes. Donc si tu ne peux pas te frotter, tu comptes sur les autres, ça ne va pas. Mais je veux bien comprendre. Moi, je rentre toujours sur cette question-là. Le président Kamto dit, dans son interview, il a comme l'impression que les autorités françaises ne s'empressent pas de le recevoir. Au même moment, vous portez le discours sur la souveraineté économique. Et on sait les relations assez difficiles sur le plan économique entre le Cameroun et la France. Est-ce qu'il n'y a pas comme une contradiction finalement dans votre... Il y a quelle difficulté? Aujourd'hui, on a tendance à accuser la France de tous les maux au Cameroun sur le plan. D'avoir peut-être pris le port en otage. Et vous pensez que c'est le contraire. Voilà comment la France a la main mise sur notre économie. Quand vous achetez une voiture chez Camille Toyota, qui est supposée être une société camerounaise, le groupe CFAO, cette voiture qui vient du Japon, parce que les Français n'ont pas réussi à imposer leur Renault et leur Peugeot en Afrique. Ils ont vu que nous voulions les voitures japonaises mieux adaptées à notre condition climatique. Vous savez ce qui se passe? CFAO France achète au Japon, revient en France, facturé à CFAO Cameroun 25% de plus. C'est-à-dire que nos dirigeants sont incapables de trouver une société qui va commander la voiture directement au Japon pour vendre aux Camerounais pour qu'ils réalisent 25% de moins sur le prix de vente. Ça, c'est la mainmise. Et ça, cette mainmise n'est due au fait que ceux qui nous gouvernent pensent que tant qu'ils sont en bonne compréhension avec ces pays, ils vont les protéger pour qu'ils conservent le pouvoir juste pour la satisfaction de leurs besoins personnels, pas pour le développement du Cameroun. Nous disons, personne ne peut se développer à vase clos. Nous allons nous développer avec la France. Mais que la France comprenne qu'elle ne viendra pas nous montrer ce que nous avons à faire chez nous, mais nous accompagner dans les domaines où elle possède une expertise et nous laisser évoluer dans la direction que nous pensons être le meilleur pour notre pays. Nous allons cesser d'être des élèves. Quand un chef d'État dit qu'il est élève d'un autre chef d'État, ça veut dire qu'il aurait dû rester là-bas, continuer ses études et laisser le Cameroun diriger. Mais il le disait en matière de démocratie et de respect des droits de l'homme. Vous ne pouvez parler de souveraineté économique sans parler de souveraineté monétaire. Et sur cette question, précisément, je crois que le président Maurice Kamto a régulièrement remis cette question à plus tard. Aujourd'hui, quelle est la ligne de démarcation? Vous avez causé avec lui. On ne peut pas. Dans ses interviews, chaque fois qu'on lui a posé la question. Il se fait clairement fuyant sur la question. Il n'a jamais pris position. Il n'a pas de discours tranché sur la question. Est-ce qu'il faut quitter le France? Je dis bien, il a dit, il a toujours... Nous savons que pour que le franc CFA soit notre monnaie,
il faut que nous ayons la maîtrise de sa production et la maîtrise de sa fluctuation. À partir du moment où c'est quelqu'un d'autre qui produit la monnaie, fixe la parité et nous la donne, ce n'est pas notre monnaie. Donc, pour que ce n'est pas le nom CFA qu'il faut changer, c'est le fonctionnement de CFA, c'est la conception du CFA qu'il faut changer. Non, président, non, c'est pas ça le sens de ma question. Je posez la question rapidement, nous n'avons plus que 5 minutes pour arrêter cette émission. Je rentre là-dessus pour dire sur la question de la monnaie, le président Kamto généralement a dit qu'il remettait ça à plus tard. Il n'a jamais donné une position tranchée. Je vous donne la position du MRC et la position de tous les patriotes. C'est que tant que vous n'avez pas la maîtrise sur votre monnaie, vous ne pouvez pas vous développer. Parce qu'une monnaie doit être fluctuante. Vous devez baisser le cours quand ça vous intéresse et lever le cours. Donc, le problème d'une monnaie commune n'est pas une affaire spécifique du Cameroun. C'est les cinq pays de la CEMAC qui ont cette monnaie en commun, qui doivent se mettre ensemble pour dire changeons les choses. Et vous savez que certains pays ont d'autres intérêts personnels. Parce que là où la France nous tient, ce qu'il dit à vos chefs d'État, vous savez que vous n'êtes pas légitime. Si vous ne me supportez pas, j'ai le moyen de vous faire tomber. Et chaque chef d'État vit dans la hantise. C'est la légitimité que vous allez chercher à Paris. Non, monsieur, c'est aller leur dire, laissez-nous tranquilles. Parce que quand vous connaissez votre voleur, si vous êtes courageux, vous allez chez lui dire, là où vous êtes, je sais que vous êtes voleur. Mais vous vous plaignez qu'il ne vous reçoive pas, votre voleur. Mais parce qu'on dit donc qu'il a peur qu'on lui dise la vérité. On ne se plaint pas. Nous allons sortir l'émission. Une question d'économie qui vous intéresse directement. Nous étions surpris de voir votre nom parmi les administrateurs de la société immobilière de Douala. Et on vous a vu rester en justice avec l'ancien président du conseil d'administration, aux côtés du président de l'ancien conseil de l'administration, sur une plainte de... Non, c'est encore une spécificité camerounaise, où une société anonyme, un matin, trouve devant sa porte des policiers qui viennent lui dire qu'on vient installer un administrateur provisoire décidé par un sociétaire qui a 19% des parts. Une société anonyme qui est sous le régime de l'OADA. Donc, c'est une spécificité camerounaise où, quand vous avez besoin de faire quelque chose, si vous avez l'armée, si vous avez la police, vous êtes sûr de le réaliser. Personne n'a de droit au Cameroun en ce moment. Et quand vous parlez des sociétés qui souffrent comme ça, prenez le port. Je vais peut-être titiller le président Zongan sur cette affaire de la SMID. Oui. Est-ce qu'on n'a pas finalement comme l'impression que c'est une histoire de petits copains, tonnerre. Façon, vous retrouvez à côté de tonnerre, un attelage quand même. Un attelage bizarre quand même. De New Industry. Tout ça, c'est pas finalement. Un journaliste ne devrait pas avoir l'impression. Un journaliste devait aller. Moi, je parle des faits. Je vois Antonin qui est du NDPC, Nzongan qui est du MRC, Néossi qui est du MRC, finalement en train de tourner dans une histoire. On vous a donc dit que c'est pour ça que le plan du développement camerounais, pour aller ensemble, il faut être du même parti. Où en est-on aujourd'hui avec mon cher ami? Mon cher ami, si vous voulez être journaliste, il faut apprendre à aller à la source et vous renseigner. Voilà ce qui se passe. Il y a une société métropolitaine pour développer la ville de Douala. C'est connu. Et qui est constituée en société anonyme. C'est-à-dire qu'une société anonyme, c'est une société où seuls les actionnaires ont la maîtrise de la gestion de leurs choses. Oui. Un sociétaire qui a 19% se lève un matin, va voir la justice. Est-ce qu'il a intérêt à rester en justice? Si vous dites qu'il a 19%, est-ce qu'il ne devrait pas revendiquer? Il doit. Non, s'il vous plaît. Oui. Non, je crois que. Allons-y. Vous devez rester dans votre rôle de journaliste. En posant des questions. Vous perdez encore du temps. Non, terminons pas. Parce qu'il a. Écoutez, monsieur. Chaque société a ses règles. Oui. Même si vous êtes actionnaire. Si vous estimez que la gestion n'est pas bonne, vous provoquez un contrôle qui vient déterminer qui a vol ou qui n'y a pas vol. À partir de ce contrôle, vous vous dites,
je vois que mes intérêts sont en danger. Vous ne pouvez pas tout de go venir dire, j'ai l'impression que là-bas on a volé. Et tout de suite la justice vous dit, ok, on met un administrateur provisoire, on met tout le monde dehors. Le problème, vous l'avez trouvé, ne le contournons pas. C'est un problème d'ego. Il y a quelqu'un qu'on a parachuté à Douala en lui faisant croire qu'il était le super maire. Il vient de s'apercevoir lors des élections qu'il ne représente rien et que la base ne l'accepte pas. Il vient, il trouve que son petit frère qui a fait de la prison, avait 2 ans de prison ferme, était anciennement employé à la commune et que à sa sortie de prison, son frère donnait avait refusé de le recruter en disant que son casier judiciaire n'était plus vierge. Il recrute cet ancien prisonnier et lui confie la gestion de la SMIT, c'est-à-dire la gestion d'une société dirigée par quelqu'un qui est supposé l'avoir mis dehors. Voilà comment notre pays se gère. Les gens prennent leurs problèmes personnels pour détruire l'intérêt commun. Mais cette affaire ne s'achève pas là. Nous sommes dans une société de droit OADA. Nous sommes, la justice camerounaise peut biaiser, mais le Tchad est là. Et nous irons au Tchad et on est sûr qu'on gagnera. David Sandio, bonsoir. Rodrigue Tanguy, bonsoir et bonsoir également aux compagnies. Qu'est-ce que nous retenons de cette émission? Bonsoir Albert Zonga. Bonsoir. D'entame de cette édition, vous avez tenu à rappeler l'échange épistolaire que vous avez eu avec le présentateur de cette édition, en lui rappelant de rester professionnel et surtout impartial au débat, puisque vous aviez l'impression, et ce sont vos mots, que Canal 2 faisait des crocs en jambes au MRC et ses alliés. En ce qui concerne la mort du sultan, vous rappelez que la mort du sultan nous parle et vous êtes en colère parce que le monarque, un monarque d'ailleurs de son rang, est mort dans une clinique en France. Ceux qui l'ont amené en France, mourant, ce sont vos propos, ont fait insulte à sa personne. Et à propos de son évacuation, vous dites que le RDPC est d'ailleurs coutumier du fait, simplement pour laisser croire que le président de la République a fait tout, hélas. Maurice Kamto, pour vous reste le président élu. Si on dérobe votre véhicule, même si vous n'avez plus l'usage de ce véhicule, il reste tout de même le vôtre. Les motifs de vos marches étaient la fin de la guerre au nord-ouest et au sud-ouest et un code électoral consensuel qui garantirait les suffrages dans notre pays. Vous avez obtenu une victoire volée et vous mobilisez pour qu'on ne vive plus jamais cela. Nous sommes dans un pays où les députés, ça ce sont vos propos, nous sommes dans un pays où les députés n'introduisent pas les projets de loi à l'Assemblée nationale, où on ne discute pas à l'Assemblée, on impose simplement à l'hémicycle. Vous n'êtes pas élu, vous n'avez pas d'élu et vous comptez désormais sur le peuple pour votre avenir politique. Si tu as une ligne politique, ton seul ami est le peuple. C'est votre petite phrase. Vous êtes conseiller du président du MRC et non de l'individu Kamto. Vous êtes allé à 2 reprises à la présidentielle pour votre compte, juste pour démontrer qu'il ne faut jamais dire qu'un aliment est salé si vous ne l'avez jamais goûté. Pour ce qui est de l'absence aux municipales et aux législatives, il est clair que vous avez dans vos rangs des chasseurs de primes. Et c'est ce qui a expliqué les mécontentements dans les rangs après le fait que le MRC ait décidé de ne pas se rendre aux législatives et aux municipales. Vous n'êtes toujours pas allé à ces législatives et municipales parce qu'après la présidentielle, rien n'a changé et vous ne vouliez pas aller à l'Assemblée nationale pour être ce que vous appelez des compléments d'objets indirects. Et parlant du séjour en prison avec des présumés sécessionnistes, il n'y a pas de honte à dormir sur le même lit lorsqu'on vous a enfermé dans une même chambre avec des personnes. Et seul le dialogue nous sortira de la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, puisque dans cette guerre, les gens se complaisent énormément. Et vous, côté court, vous êtes anobli à Banjoun, c'est à l'ouest du Cameroun. Vous êtes d'ailleurs Wabo Makumo.
Je m'excuse si je vous réagirez à la fin. Oui. Et vous êtes catholique pratiquant et la chrétienté, selon vous, ne détruit pas nos mœurs, nos us et coutumes également. Si on sort les crânes à l'ouest du Cameroun, par exemple, n'oublions pas de rappeler que sous l'autel, lors des messes, il y a des reliques. Vous ne savez plus si le football existe. Pourtant, vous avez été le trésorier de l'Union sportive de Douala et vous avez également été le président du Racing Club de Bafoussam. Vos combats, c'est désormais contre l'État, même si certaines personnes font la confusion en parlant ainsi du parti État, en faisant référence au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous rappelez également, plus loin, que vous avez milité au Rassemblement démocratique du peuple camerounais parce que vous avez cru aux sirènes qui se sont révélées plus tard être des slogans creux. Et enfin, vous nous rappeliez également que quand le diable t'invite à dîner, là c'est pour répondre, si le RDPC vous appelait à un éventuel dialogue, vous dites, quand le diable vous invite à dîner, tu n'y vas pas. Et enfin, quand un chef d'État rappelle qu'il est le meilleur élève d'un autre chef d'État, il vaut mieux qu'il reste dans cet autre État-là pour poursuivre ses études. Merci David Sandio. Réaction ? Ben, je crois qu'il a restitué tout ce que nous avons dit. Bon, on ne va pas lui en vouloir de ne pas bien prononcer que je suis moi bon l'amour, ni de dire tout simplement que j'étais président de régional de Racing ici, ou également que bon. Moi, je suis parti du RDPC pour protester contre la notion d'autochtone halogène introduit dans notre constitution, qui était une germe de division. Même si ça a arrangé certaines personnes, ça a fait que d'autres qui auparavant étaient des amis commencent à se regarder en chaîne de faïence. Mais ça n'a pas empêché que les halogènes soient directeur général du port à Douala. Non, après la loi. Moi, je ne considère pas que c'est un halogène parce que c'est quand vous ne méritez pas qu'on commence à chercher votre origine. Si vous êtes un homme compétent, personne ne passera du temps. Par exemple, vous parlez du port. Quelqu'un a pris le port. Il a mis dehors les blancs. Mais vous voyez ce que ça lui coûte, parce que ce n'est pas ces blancs qui se plaignent, ce sont ceux qui profitaient de la présence de ce blanc qui se plaignent, parce qu'ils voient aujourd'hui que ce qui se partageait entre directement dans les caisses de l'État. Donc quand vous parlez de l'économie, de la maîtrise de l'économie, il faut que nous apprenions à mettre les nôtres, surtout là où il s'agit tout ça. À nationaliser les postes importants. Ce n'est pas des postes importants, c'est récupérer l'argent, l'impôt. Pour récupérer votre impôt, vous appelez un blanc, pour qui ça sert pour récupérer? Ça veut dire que vous êtes incapable. Et le jour où un Camerounais se lève, il dit « je peux récupérer » et il récupère bien, il devient un homme à abattre. Non, disons tout simplement que, parlant du port, c'est vous qui l'avez introduit, celui que vous entendez appeler Bolloré, il a plaidé coupable de corruption en Afrique. Coupable! Parce qu'il a été poursuivi dans son propre pays. Mais quelqu'un qui plaide coupable, c'est-à-dire quelqu'un qui, au marché, vous dit « je suis un sorcier ». Mais vous, si vous vous approchez de lui, c'est que vous voulez que le sorcier vous mange. Donc on donne raison à ceux qui ont dit « s'il vous plaît, arrêtez le massacre, laissez-nous continuer à gérer notre argent ». Ce qu'on attend, et je réponds à mon ami de l'étranger, c'est qu'ils viennent nous aider à développer notre industrie, qu'ils viennent investir des capitaux, pas qu'ils viennent couper nos arbres. Si on vous donne la forêt et deux scies, vous n'allez pas couper. Est-ce qu'on a besoin que ce soit un blanc qui vienne couper les arbres pour... Merci Albert Ndjonga d'avoir accepté notre invitation. Merci de vous être prêté au jeu de nos questions. Merci Achille Asako, merci Léopold Chendjou, merci à David Sandio et à Monique Na aussi qui est passé par ici. Je dirais à nos téléspectateurs qu'on se retrouve sans vous et sans les autres dimanche prochain pour une autre édition de l'Arène. Avec un invité tout aussi sympathique que Albert Zongan, peut-être avec l'injure en moins, et ce sera toujours le hot et le hard interview. Bonsoir. Non, je ne vous injure pas, je vous désigne par le nom qui vous convient. C'est parce qu'au Cameroun, on ne sait pas appeler voleur, voleur. Un voleur reste voleur, et l'appeler voleur n'est pas l'injurier. Mais il y en a qui auraient pu penser que vous êtes rivaliste aussi, hein.
En faisant quoi? Quand vous êtes allé sur Radio Balafon en 2018, janvier, février 2018, dire que ceux qui ont gâté le pays, c'est ceux qui disent « Biadi Bidi ». Non, ça, c'est pas moi. Vous l'avez dit. Non. Vous l'avez dit, monsieur. Non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Je suis désolé. Non, monsieur. Bon, okay. Bon, disons qu'il y en a qui se réclament de Bia et qui ont gâté ce pays. Mais ce n'est pas les... Écoutez, l'amalgame, j'espère que ça a arrêté, l'amalgame qui nous perd, c'est quand les gens ont fini de manger. Ils disent « Je suis Douala ». Quand ils mangeaient, il n'était pas avec les Douala. Il est né à Douala, mais il a mangé seul. Dès qu'on l'attrape, il dit « On me fait ça parce que je suis Douala ». Non, 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 c'est son ça.